Sako bana somi ekolo Congo kimia ekoka kozal na mabota na bino, soyez le bienvenu. Edi Anka Mazola, mes respects mokubwa. Merci, merci, merci na Jimmy Adjanga na Canal Africa, merci na John Image le cordon ombilical. Merci na Mama Botuli TV, merci na Mama Mimi na Radio Bosomi, merci na Mwangaza na Radio Sans Effet, merci na Kelvin Maïzo na Maïzo.com, merci na John Image le cordon ombilical, merci na Bino Nyonso Oyo Botondi na YouTube comme na Facebook poto kokwa kosolo la po na tina Italie la République démocratisée du Congo. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, émission Alléluia Salami P et Bungesami na wabino honorable maître Gino Yena Mwazulu, Diwa Banza, Sima, Lemba, Oyo, Bindo Nyonso, Boyebi, Naba, Oyo, Bayebi, Ete, Bako, Découvrir, Ye, Na, Emission, Alelo, Ndenge, Tobandaka, Mayanga, Nabiso, qu'il me soit permis à vous présenter ma condoléance le plus attristé, le plus ému, Naba, Ebanso, Oyo, Bazali, Na, Matanga, Na, Kata, Mabota, Na, Bango, Bazali, Kulela, Moko, Yali, Bota, Na, Bango, Atiki, Bango, en mon nom personnel, au nom de l'éveil patriotique, au nom de tous ceux qui sont avec nous en ce moment et ceux qui nous suivront en rediffusion, je vous allez présenter Bibango, ma condoléance le plus attristé et le plus ému de Kotedi Fitou. Merci Mingi à Kozala Nabiso. Kimia et Koka Kozala Namabota Nabino. Nabaye ba fêté anniversaire. Tozali Nabango tellement ébélé. Merci, merci, merci Zoé Adjanga. Naba oyo ba fêté anniversaire bozali tellement ébélé
à tout Seigneur, tout honneur, toko banda na wabiso, moko yaba conseiller na biso, pe moko ya moto asale la kabiso. De temps en temps, moi barticle, na kombo ya Alain Mwendi, Mwendur, naba oyba ebi, naba tunion, so ya Moscavino de la Cuerta. Alain Mwendi, joyeux anniversaire, ndeko na biso, Gilbert Mwako, joyeux anniversaire. Amanias Bibish Mosimbi Selego, joyeux anniversaire Bibish, joyeux anniversaire Nandeko Nabiso Mama Jadis Kidimbu, joyeux anniversaire Ndeko Stoto Kachale Kachala, joyeux anniversaire Ndeko Ngoyi Kabuya, joyeux anniversaire Pe Ndeko Gustave Simba, je crois, si je vois bien, Siala, Gustave Siala, joyeux anniversaire, Bouzali, tellement ébélé, ou y'a fêté anniversaire, n'a pas quoi aller l'autre, réitéré, bon anniversaire, na maman Nabiso, Ornelie Panzou, maman Ornelie Panzou, joyeux anniversaire, merci Mingi, Kimia, Eko Kakozal, na mabota Nabino. Bana somi ekolo Kongo tozali ko profiter na moment o ya confinement poto ko kakozala disponible ya ko solola na bino à chaque fois que tozali na occasion. Merci na bino en ce moment na ibiki mingi ba utine misala na ba o bazali na Afrique na ba o bazali na Europe to komi pratiquement 22h bubungami déjà après avoir ko liamba ngombango po boko ka kolanda éveil patriotique. Nous vous disons infiniment merci et nous remercions ba oyonyon so bazali na kati na biso oyo bozali na ba moyen de petites entreprises oyo bazali ko émerger et puis na service oyo tozali ko zwa awa na veille patriotique mikolo ko ya boko mona ba changement oyo ezali soutenu na ndeko na biso Emmanuel Kalubata oyo azali mokolo magazine Awakening Africa ezali lokola Wake Up Africa to Lamuka Africa to Éveil de l'Afrique ndeko Emmanuel merci mingi pour le service et tozali nande konabiso Angelo Niembwe oyo azali moko ya administrateur ya Medina DC bazali ko sunga biso mingi pende ko Flori Zianga Lusasa à qui je dis encore merci beaucoup chers compatriotes mesdames messieurs toyé nande konabiso Diwa Banza oyo toko solo na ina poko ya lelo na kanisi biso nyoso to landa ki sur les réseaux sociaux oyo esalamaki na ndeko na biso Diwa Banza azali moko ya ba panafricaniste un congolais dévoué oyo atelema mikolo nyoso azali kobundela pona tina république a démocratiser du Congo nde toko yamba lelo na oyo nyoso oyo asalaki moyen asale la bino sous lecture exacte parce que toko yamba ye toko yeba eloko nini oyo lekaki et pas yé a décidé qui au nom de la République a démocratisé du Congo kokende ko récupérer toko ça la récupération yé moko a lobi sur la restitution de notre patrimoine intellectuel, culturel, spirituel, social, scientifique et économico-politique ya mboka na biso elingi koloba ke moto nyonso place à vandi ayé ba responsabilité na ye ya ko apporter en plus na kati ya situation autres ali ko vivre. Nous avons été victimes depuis des milliers d'années et pas imondele ayaka na bamboka na biso pona ko yiba biso non seulement mayele pe makanisi na biso mais ayaki ko mate biso pe ko tcha biso toko masu contrôle na ye a mené le biso non seulement ba religion importée mais ayé ko bafoué cultures et traditions na biso ayé ko bafoué intellectualisme oyo ya biso a commissé intellectualisme moto ayé biko le ba français malamu moto ayé biko le ba anglais moto oyo atangi ba classe ya mendele po ayé ko li mathématiques a faire ignorer biso que biso ba congolais nous sommes le père génitaire tout la terre congolaise azali mama génitaire oya boti le monde, c'est-à-dire que biso tozo considérer que tant quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et bandi la Congo oyo ya République a démocratisé du Congo et nous pouvons facilement le démontrer avec l'os de Chango oyezali mathématiques place les berceaux naissance ya mathématiques oyo bazali ko utiliser lelo même na NASA et si nous avons les computers, les ordinateurs, les tablettes, tout ce que nous pouvons même les montres aujourd'hui
nous autres années nango électronique et zali mathématique qui est outil na os de Shango, la mathématique qui date aujourd'hui de 22 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, non, 20 000 ans avant Jésus-Christ, total, bah, 22 000 ans aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer qu'une civilisation qui date de près de 200 000 ans et depuis tout ce temps, bisoto yeba ki nzambete, tozala ki na nzambete, il fallait causer là, lobby lobby awana 1800 et quelques temps baillé, ko coloniser biso, nde ba memeli biso nzambe, parce qu'on n'a jamais connu Dieu, on n'a jamais prié Dieu. Et laissez-moi vous dire, avant na kende ko kamata, nde kona biso, kende kona biso, a telemaki ye na bande ko ba susu, pe ba décida ki ko kende ko récupérer, ba, ba bandi yango na Paris, mais décision na bango ezala ki ko récupérer ba valeur na biso et ba décider que ba ko visiter la France, ba ko visiter Washington DC, ba ko visiter Bruxelles, ba ko visiter Berlin, Genève, Londres, et j'en passe. Dans le cadre il y a restitution, il y a ba patrimoine na biso ou totangi awa patrimoine culturel, intellectuel, spirituel, social, scientifique et économico-politique. Na kotanga oyo esali que tangu Natali ba vidéo de quoi sala ki avec bravoure il a été interpellé to ba mokanga ki ba mobengisa ki azala ki na détention a outi ko bima na détention yango biso to décidé que to kamataye to solo la naye to yokaye moto na moto place azali. Alors, la première des choses avant na kota na modindo ya masolo to na ke ne ko kamataye na ko senga bino bande ko bokanga pena motema ezali micro populaire te toye ko solo na ndeko di abanza donc to ko zo ba pelti vraiment bande ko boko ka kolimbisa quelque soit ndenge ezo chauffe yo na motema peut-être une ou deux questions mais tango lingi ko présenter question na yoto okotu na mutuna vraiment meka o benga biso na WhatsApp otiki ango sonne une fois okati to ko yeba ke o benga ke zana posa mutuna bande ko pardon nazo senga pardon parce que il y a de moments où malgré auto zoloba c'est vrai il y aura d'autres personnes bakokota na retard les gens vont commencer à appeler en cascade et dérangeaka mingi mingi ndeko auto yambi tango azali na maloba. Nous nous rappelons pertinemment que le 4 octobre 1973, na français ya ba noko ba belge le 4 octobre 1973 tango le maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwe Ndwaza Banga ayaki awa na Nations Unies pona mbala ya liboso azwa ki na kati ya maloba na yeso ki bolandi yango une partie de l'histoire oyo ameka ki ko rappeler que bamboka na biso ezali victime ya moyibi to ya déportation to Arcel Muyibi, hein, une façon, bah, mindé le temps, bah, qui n'a pas qu'un abisso, bah, y, bah, qui bisso, bikeko, et belé, oyo bango, bah, mema, bah, kenda, kochana, bah, mise, na bango. Et le maréchal Mobutu au nom de l'Afrique avait prononcé dans son discours Kosenga Moson Mokotoba voter résolution Mokoputo Kokako récupérer ba statut na biso oyo bango bayaki ba yebisi biso que poto kota na paradis il faut to bosa na bakoko na biso il faut to bosa na ba bikeko na biso il faut to bosa na banzambe na biso donc ba pesi biso nzambe asika mais bakamata bikeko na biso o bango balbaki za mabe oyo balbaki ke nzamba linga ngote o balbaki za démon, batonne ici, yango na ba musée, et si nous voyons l'histoire depuis l'occupation de l'Afrique, ou yo ba yeke na colonisation tilelo, to yebi ba milliard na ba milliard, ou bango ba koti cité na biloko mouyibi, parce que ba tika la ko signé papier mon côté to soki ba signé saka, ba koko na biso ba papier, et zalaka na minoko, ou yo bango ba yeba kite, et ils étaient en train de signer de papier sans le savoir. Et peut-être avec un temps qui a résolu Namutu, peut-être avec un coup de machette, peut-être bah Katie m'a beaucoup avant bah signé, bah faire que signer de Vitakanga. Donc Mundele na ki criminalité na ye na ki moyibi na ye ayaka kokamata ebele ya ba bikeko na biso to ba cultures et traditions na biso o ya mema atia na kati ya ba musée aujourd'hui azo profiter na yango alors que nous toza kokola na remarqué ki yango il y a quelques jours awa tango makambu ya Floyd et Bandi l'américain qui a été assassiné ici par le blanc ba to bakenda ki kosopa
Kubuka ba statue ya Léopold II, considérant que Léopold II c'est le plus grand criminel qui nous a massacré à près de 10 millions de personnes. Oyo toyebi sans toyeba vraiment nombre motanga nango ezalaka combien. Et voilà, batu misusu même ba congolais bazo koma na ba réseaux sociaux bazo condamné bandeko oyo bakende ko profané ba statue wana comme si aza noko na bango et ça leur fait mal au cœur ba mon ndenge ba profané ango alors que c'est un criminel. Je pense que la fois passée, le général Bamouela Lobaki Ango Awa, il y a un monsieur en Belgique, Oyo Alaksaka Minou, il y a Patrice Emery Lumumba, Batubazo partagé Ango, nanou tous organisés, atamou kolomou kote tokende deval ndakou ya moutouana, tokende ko manifester, pour na ko mouna. Orgueil au Yazanango, na audacité au Yazalakanango, yako kamata minu, ya oyo azali héros national, yaba congolais, azolaksake, yé moutabomba minu nae, donc il a fait partir na bato babomaki. C'est ainsi que nous avons eu une bande de Moussousou Batelemi dans le même cadre. Et si nous nous rappelons dans l'histoire, nakati ya histoire ya mbou kanabiso, Tokoya ko remarqué que sur le lobby la comparaison certaine n'a pas raison tant que Hitler a bandi ko perdre guerre avec la France avant baya ko sala ba signature na bango ba sala ki na amistrice je crois amistrice hein ouais ba sala ka signature moko na Versailles ou yo ba décida ka que Hitler a koka kondima défaite naï. Et après signature wana, les Français sans demande, sans volonté ya ba allemand, ba kenda ki tin Allemagne ko récupéré ba œuvre d'art nyonso oyo ba nazi ba yibaka pendant la période de l'occupation. Ba Français ba kenda ko récupéré yango sans demander à qui que ce soit, et ils ont récupéré ba kamati kutu mususu yango ya bango ba mema yango. Et les loyaux, tout comme Tiango Lokola, exemple pour toute la situation à Bissau, Yambo, Kanabiso, nous nous rappelons encore qu'à l'époque de Nzingankouvu, Bato Baibi, histoire Maman Lilitunga, Bato Baibi, histoire Yambo, Kanabiso, Lokola, Ndopé, Vitakanga, Igosé, Messezuel, peut-être Messezuel à cause de Nabiso, n'a pas quoi, Lelo, Bakoki, qu'on témoigne que Nzingankouvu, Atika histoire soboluki on a quatre internet beaucoup moins ango qui avait deux chaises intelligentes de traduction, c'est-à-dire que tozé bande ko bengango ba chaise il y a traduction chaise wana elingi kolobani ndinga kuvu ayebaka minokwa mindelete mais tangu mindele bayaka bakutaka ye soki alinga sola na mindele bande ko vandi sa ina kiti moko et soka vandi na kiti wana kaka lolenga na vandi awa makambu nyoso mundela zolo ba kiti ezo traduire ango spirituellement ça dit na kata mutu na ye azo yoka neti bazo solo na lingala neti bazo solo na kintandu neti bazo solo na kibisi ngombe neti bazo solo na kipende oui mama nono goli goli. Ezali vérité qu'il y avait une chaise, ba chaise wana na kati Afrique, ezali ka mi balé, na Ghana, pe na Congo, et na Ghana, na yebi lisusu, roi oyo bandaki ko vanda na yango te, ezali ba kiti bandaki ko traduire, maloba mundela bandaki ko loba. C'est pourquoi mundela azali ki stupéfait ya komona ke, comment azali ko s'adresser na Africain, oyo akomana na poto te, oyo akomana na bamboka na bango te, bolimbi si bandeko. Nako kamata ndeko nabiso tozala na yemba la moko pendant que nazali koloba pona koka kopesa ye maloba babosa na ye melela nzambi ya bakoko na yo tata mutulelwe tata melela takimbangwe tata melela tata mpaje tata melela kama kipa vita ye mama melela kata tantwala ye tata Philippe Mbumba tata tata Matai Mwanda tata. Merci Ndeko Diabanza ozala na biso na ligne le temps naza ko silisa mo introduction na biso donc nazala ki koloba ke na kati ya Afrique na biso na Ghana pe na République démocratisée du Congo et pa ya Nzinga Nkuvu azala ka na chaise o bazala ko benga chaise intelligente to traducteur chaise wana
et bandaka ko traduire makamunyo so mundele abandaka koloba et tant mundele akoma ki stupéfait akoyeba ndenge nini mutu wana akoma na poto te ayibi minoko na bangote mais bandai ko comprendre makamunyo so bazai koloba bayibaka ba mobotolaka kiti wana tant ba remarquer que ce kalongwe na kiti wana il ne comprenait plus rien et ba moyibaka yango lelo tozolo ba kiti wana izalaka na Vatican. Si vous avez culture et tradition, supposons que vous avez une bango ba avez une religion importée comme si vous avez une religion. Mais si vous avez une intelligence, vous avez une religion qui traduire minoko na bango avez une religion qui na Vatican pour quelle raison. On a quand même dit avant diabanza pe bande ko basusu o bazeni na Vatican bo banda ko bongo mafu futo kende ko récupérer kiti wana il faut kende ko récupérer ngo ndenge nde kwa santo ko kende ko récupérer ngo e oyo ya Ghana ezali na Angleterre na kati ya ba musique ba chaise intelligente ezala ki na ba mboka na biso c'est donc dans ce cadre là oyo zine de diabanza amekana no ko yibisa biso Makanisho yuta ki ye wapi, ndenge nini a décidé ki yango komo ya ko récupéré. Tango aleke yi, qu'est-ce qui s'est passé? Et bamo kangaki, pe bamo libéré. Mais le kezo intéressé biso awa, nos patrimoines, qu'est-ce que représente l'Afrique? Avant-hier, na selela ki bino émission, na kati émission, wana mama Leti, baba, na salela ki bino to salela ki émission awa na salela ki introduction il y a le bien oyo le Congo à offrir na mukili mais azali kaka persécuté et là je viens de signaler que la mathématique otozo sali la intelligence artificielle lelo et outa e pas na biso na république a démocratisé du Congo na mboka na biso. Voilà, c'est à ce titre que tu connais de Kokamata, de Konabiso Diabanza, autre que Zalanae, na poko ya lelo, nabiso na eto ko solola, nabino elongo, ezali émission ndenge to salaka yango te, ezali débatté, mais ce qui mutazali na moto na boko melanga te parce que je ne saurais pas lire, peut-être pour nazara distraite boko yoko ko mame, la moindre des choses, je vous donnerai le temps une ou deux personnes ba ko yoko poser mituna to ko compléter o yazali na mayele. Ya oyo kubima awa akoki koya ko complete biso mwa moke na ma solo ya lelo mama kende lukuma e mama belela kama kinzembwe belela kama mbia bakoko na yo e koko nzala panga e kaka kindele kinangwe ndeko diabanza lo sako epai na yo. Allô? Losako, bande kobasu azungu. Losako. Ozoyo kabiso bien? C'est parfait. Là, azungu bien parfaitement, sans problème. Biso peto zoyo ka malam losako epai na yo ndeko du abanza liboso na pesa maloba mais sincères félicitations à mon nom au nom de tous les auditeurs et au nom de toute la diaspora combattante à toutes tendances confondues to landa kiyo to mona ki bravo pe acte héroïque na yo opposa ki yango esali ke to ya epai na yo to zali na isengwa ko yeba ke ba mobenga kiyo ba mokanga kiyo pe ba libere yo eloko ya liboso mingi ba yebi yo te na mwa moko moko o ba yebi yo te o koka ko se presente pe o yebi sa biso et loko wana motivation et wuta ki wapi po na ko poser acte o yo to qualifier d'un acte héroïque maloba e epai na yo. Na zone ici matondo na yo ndeko djimo na ba ibanso bazolanda na pesi mbote na ba auditeur pe ba auditrice nyonso oyo bazolanda na tango au niveau patriotique bisika nyonso bazwamu na kanisi que ce qui se passe na musée de Kebroli, je ne dis pas d'abord de ce qui s'est passé, ce qui se passe parce que c'est une histoire continuelle. Ce qui se passe dans ces musées, c'est qu'il y a des entités vivantes. Il y a des sociétés entières. Il y a des énergies et des familles qui sont torturées, qui sont humiliées, qui sont insultées, qui sont exploitées, à qui on empêche les lots, pour vivre, disons, la plénitude de la Bamounioso. Je partirai même déjà à dire, d'abord sur le plan juridique,
que selon la charte de l'Organisation des Nations Unies, article 1, alinéa 2, tout peuple a le droit de disposer d'eux-mêmes. Cette disposition de nous-mêmes implique aussi que nous avons le droit de disposer de nous-mêmes, de nos richesses et de notre patrimoine et de notre destinée. Or, je suis quelqu'un qui, depuis ma tendre enfance, j'ai été forgé. J'ai dans mon âme de pouvoir marcher selon la destinée qui est mienne. D'abord par l'éducation, de deux par la lignée qui est mienne de mon clan, de trois par l'environnement dans lequel je suis né en République démocratique du Congo, dans lequel on m'a placé. Je parlerai dans l'environnement nominal, parce qu'on m'a placé justement dans l'environnement de Patrice Emery Lumumba. Et il s'est fait que, dans mon enfance, ma mère m'a parlé de beaucoup de choses. La première des choses, c'était, à part que on m'appelait, voilà, moi, Zulu, Diabanza, Kiabanza Ogo, justement, après Siwalemba, parce que c'est lorsque j'ai terminé tout mon processus comme tout jeune, notamment qui finit l'école initiatique africaine, dans l'école véritable de Lemba. Donc je sors avec la nomination de Siwalemba. Mais mon père et ma mère m'avaient aussi appelé en mémoire de Patrice Emery Lumumba Emery. Donc cet environnement nominal me plaçait déjà dans un contexte d'une vie qui semblerait être une vie un peu particulière. Que peut-être Nazaré Kina et l'autre monde fallait la salle. De deux, ma mère est de la lignée d'Entumba Vemba. La lignée d'Entumba Vemba, c'est la lignée des consécrateurs bénis, de ceux qui ont consacré toute leur vie pour le bonheur collectif. Mes ancêtres, depuis la lignée lointaine, ce sont de ceux qui étaient à la fois au service de la grande nation du Royaume Congo, à la fois au service du peuple de l'Afrique. Et l'un d'entre eux qui est sorti de cela, Bazaki Mibale, Nzinga Vembakou, qui est devenu le roi du Congo après Nzinga Koufou, et Nepanzo Antivila, qui est loi Vemba, qui est de la lignée de Tumba Vemba, à Télémaki, c'est-à-dire on a Nzinga Vemba, Bazaki a deux façons de voir. L'autre, il voulait qu'on aille pacifiquement, et l'autre, on voulait la rupture et la confrontation directe avec les Portugais. Dans cet environnement, ma mère m'expliquait qu'il y avait des œuvres d'art, disons des entités vivantes qui participaient à notre vie commune, à notre société, à notre état d'être, qui ont été volées, pillées. Et elle me dira, le dernier des œuvres qui est parti, c'est la canne. Mais c'est lui qui était à la fois le gouverneur de la province des Pang, parce que le royaume Congo avait effectivement 12 provinces, mais le territoire des Pang, le gouverneur, parce qu'il y avait des gouverneurs dans chaque province, le gouverneur des Pang, qu'on appelait Fouman Pang, mais lui, celui dont je parle, il s'appelait Fouman Pang, Tounona, c'est son nom, Fouman Pang, c'est le titre. Et il avait une canne avec 4 boules, c'est-à-dire 4 boules, l'autre, l'une devant, derrière, à gauche et à droite. Et il avait la peau du léopard et il avait un bracelet, notamment qui sort souvent de l'initiation de l'Emba, en tant que gardien de paix et qui veillait à la sécurité. Et ces trois éléments sont partis du Congo, c'était récemment, pas trop loin, c'était vers le 1950-1958 qu'elle me disait ça. Ce sont les Européens qui sont venus, il y avait un trouble dans le village, ils ont fait savoir des choses, c'était à l'époque où on préparait déjà la vague des indépendances, qu'il fallait aller mater Kasavubu, mater au milieu de tous ces gens-là qui s'élevaient contre l'indépendance, et ils en ont profité pour prendre. Bien évidemment, elle me rapportera beaucoup de œuvres qui étaient justement parties déjà. Alors, de ma tendre enfance, j'avais en moi la perception de ce qui pouvait être la vie des Africains s'il y avait ces patrimoines-là, et qu'on m'expliquait l'histoire de mes aïeux en me pointant du doigt, Elle me dira, elle me dira quand il y avait des conflits, comment on faisait. Donc ces choses-là me passionnaient, m'animaient déjà dans mon enfance, mais j'étais blessé, profondément blessé, parce que je trouvais anormal, quand je regardais maintenant d'autres choses, je voyais chez les Asiatiques, chez les Indiens, ils amenaient leurs enfants, ils leur expliquaient des statuettes ou
de patrimoine qui parlait de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'histoire. Ça m'avait fortement blessé. Et de mon enfance là, après quand je me retrouve dans le monde occidental, notamment d'abord, quand à partir de cet environnement nominal, je disais de Patrice Emery Lumumba, Kotanga, 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 j'ai fini par comprendre que le Congo était une colonie. Là, comment comprendre aussi scientifiquement? Le Congo était une colonie et qu'il y avait un certain Henri Morton Stanley, un certain David Livingstone qui sont venus et qu'il fallait notamment au bénéfice de certaines familles, mais je parlais d'une responsabilité ici politique du roi de Belge, il fallait détruire systématiquement ces pays. Alors pour détruire le Congo, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait Baboma, en réalité, ce à quoi était Baboma l'homme congolais. Première façon, il y a la déportation. Autrement, il va te parler. On va qu'il va Antilles, va Guadeloupe, va Martinique. Deuxième façon, il fallait toucher, après que nous avons combiné géographiquement, le milieu là, le rôle à poisson, le rôle à côté, la poisson ou quelque part d'autre. Il fallait au bon moment, environnement, société là. Société là, une société, on le sait, rituel. Bah, événements, mariage, décès, tout ça, fête, cérémonie, référence naïe historique, usage naïe culturel, juste quoi, en dernier lieu, souvenir naïe. Après, instrument naïe, instrument naïe, quoi, ça l'est là. Alors, cet assemblage des choses m'avait permis déjà de comprendre. Alors, moi, j'ai eu peut-être la bénédiction à un moment à Tambola, la suite m'a bêlé beaucoup de pays. Et partout, ma bande au Tambola, ce qui m'intriguait sur la commune dans un pays africain, c'était de savoir, Batouana, sur moi, la bête à lui, Bassalani. Dans un mariage, j'allais assister dans des mariages. Dans un enfant dit, dans un cas, je vais assister. D'ailleurs, il est arrivé un jour, dans un mariage, on a pris sa vie, la Beninga, dans la Guinzon, c'est-à-dire, c'est moi qui avais uni ces mariages. J'ai deux jeunes, dans le milieu, il y avait des vieux, mais Batouana, je n'avais pas compris. Bon, on a sali à Mopé, et les qui n'ont pas bien. La Kébéné, la Kéba payé, Béné, je fus la même chose. Alors, dans tous ces pays, malheureusement, j'ai fini par comprendre, ils racontaient les mêmes choses que leur savoir, leurs œuvres d'art, ils ont pillé. Alors, depuis longtemps, je suis blessé. Je suis profondément blessé dans mon être. À chaque fois, la Tambolaka, Nalalaka, il n'y a pas une seule seconde. Surtout ceux qui ont des documentaires d'une autre société, on va mettre là-bas, on va se faire un patrimoine là-bas. On entend même l'Occident lui-même. Bien qu'il soit en Abaoué Bandi après 1880, contrairement à ces dates-là qui trichent, Makamoutou Babetaka. Même à Sarah, c'est un bon moment, c'est deux autres châteaux et ça vient à 1200. Oh, Barreli qui a passé à Sarah Dibou. Oh, Makamoutou. Alors je me sentais humilié. Tant que nous avons besoin de trois dimensions, la bandit qu'on s'est cultivé, la consécutivé, nous avons compris que Babylon, tout le monde, Ibaka, Bayeko Sanisango, Jacques Chirac a eu la malignité, donc une idée très maligne. Il y a Rosanisaba, Babylon, qu'on a mis sur le musée à Kébranli. À Sanisango, tout ça. Alors je m'étais juré de ne jamais mettre mes pieds dans un musée occidental jusqu'à ce que je serai capable d'un jour de faire en sorte d'agir comme un colibri, c'est-à-dire apporter le peu ma goutte d'eau. Naon Babylon soit ça là, pour que Babylon connaisse. Alors, c'était pour moi une dimension aussi de taper le point de la réparation de tout ce qui a été commis, la justice pour notre peuple. Voilà dans l'introduction tout cet ensemble des événements familiaux, culturels, social, éducatif ou intellectuel. Et évidemment, il y a eu un point spirituel, d'autant plus que Néna Lobaki, comme tout enfant, quand il finit son parcours initiatique, tu arrives à comprendre un monde auquel tu n'étais pas habitué et à comprendre certaines choses de la vie, notre passé, nos rites, comment on faisait, comment on évoluait, comment on soignait. Tout ça, ma gamboine, c'est au sein de laquelle j'ai compris, j'ai fini par comprendre. Alors, un jour, je tombe sur un document d'un Européen qui parlait justement de nos œuvres d'art, de nos pièces rares. Il y a eu les témoignages de Picasso, qui en fait a pris tout ça pour devenir ce qu'il est devenu. Et puis, j'ai regardé les transactions de millions d'euros qui se faisaient au nom de ces œuvres d'art. Il y a eu l'histoire des diamants de Kimberley.
Dans l'histoire des diamants, des traités de Kimberley, c'était justement pour empêcher à ce que les diamants venus de zones de sang, des zones de guerre, ils allaient vendus. Pourquoi pas alors, on va bloquer les Alaki, ici, dans le contexte de Mongoyakini, dans la monde des Alors, tant que les Européens ont été maçonnés à la million et tout ça, la population, ces choses-là m'avaient doublement blessé. Alors, voilà tous ces éléments-là qui ont fait que, ils ont quelque chose sur lequel je médite souvent et je réfléchis. Que c'est l'un des points essentiels. L'Afrique devra opérer, sur le limite au Bandanabo, la restauration de notre image qui a été ternie, redorer les blasons ternis de notre culture et de notre image. Il fallait recommencer sur ces points-là. Alors, je suis déjà motivé sur ces points-là. Ma réflexion sera déjà sur ces points-là. À un moment donné, la Tine d'Arabe émissaire, dans différents lieux, pour n'aller pas plus loin. Donc, voilà les éléments pour la première partie. Ces éléments qui ont fait que dans leurs ensembles, qui constituent le socle, je dirais, lointaine peut-être, et le socle vraiment qui ont motivé cette action dans un premier temps. Merci. Merci. Dans un premier temps, tant que tu as les vidéos, le coup là-bas, tu as les en haut, mais tu comprends réellement ce qui s'est passé. Au coup, qui aurait relaté, biso moi, mouké, en quelques lignes. Arrivé na bino na musée ndenge bokotaki et puis en sortant avec l'œuvre que vous avez d'ailleurs arraché un peu difficilement, il y a un monsieur qui est venu, un noir à qui tout le monde a qui osali ko zongi saye na moto ko rappelé que azali partisan il y a rançonneur voleur brigand ko yi statut na biso jusqu'à interpellation na bino soko ko yi ko yi biso monke comment ça s'est passé, comment vous avez été release. Donc le vendredi nous sommes arrivés au musée de Kepanli. Tout bonnement, on s'est acquitté du devoir. Donc, on a payé 9 euros au koti. Tant au koti, au koti, nakati. Je dis quand même aux amis, à certains des camarades, c'est pour une première fois que vous êtes là. Vous venez de payer 9 euros. Prenez au moins la peine de voir qu'est-ce qu'il y a ici. Vous aurez vous-même pour comprendre pourquoi justement on est déjà mobilisé à venir ici. Alors ils ont fait le tout, ça a permis Mingi, ils ont changé à l'heure même. Dans le temps de Bazarin Kiona, le fait de voir ces pièces-là et de voir les commentaires qui étaient à côté, on va commis sur chaque pièce, alors ça avait déjà révolté beaucoup. Et puis quand là, ma pièce d'une finesse et d'une perfection inégalée, alors il révolta qui déjà tout. Alors, j'ai donné les consignes comment et au salama parce qu'il fallait pas qu'on aille nombreux du fait que pour ne pas qu'il y ait que deux ou ça a quelque chose. Donc on dit un groupe détaché comme un visiteur simple. Donc on dit et dans ton côté là si on prenait le temps tout le monde tout à là voilà bah nous là ils ont partagé un peu ça c'est ça 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 vient d'ici et tout ça et puis alors quand je vais commencer il fallait que Moutounio soit en position pour que le message passe et pour qu'on récupère le bien qui est à nous. Alors, il fallait un geste symbolique du fait que la plupart de pièces maîtresses sont enfermées dans la vitrine. À moins que vous cassiez. Alors, comme nous n'étions pas des casseurs et qu'on ne voulait pas donner à l'ennemi encore du grain à Mout, on s'est dit... il y a une pièce là qui, à mon humble avis, est la porte étendard de toutes les pièces parce que pièce Swana va bien être gardien des tombes. En tant que gardien des tombes, il est à la fois le gardien de nos ancêtres et de tous les âmes parties. Alors, toutes les personnes qu'on va couvrir au nom de la violence pour la Bilo Kouana, c'est par lui qu'il faut passer et c'est par lui qu'ils peuvent revenir. Alors, on a qui est le gardien des tombes avec tout le respect possible. La salle est le gosso tour des vaillés avant d'aller en Kobanda Latte. Et il s'est fait que, toute supposition, et puis la bandit, j'ai décidé d'abord d'expliquer. D'expliquer pourquoi, parce que souvent quand on pose des actes, vous savez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Et il y a des gens qui ne prennent pas la peine de suivre quand les autres viendront déformer ou dénaturer l'action. Facilement, les gens peuvent se perdre. Alors, il fallait que les mots restent.
il fallait expliquer. Et commencer par expliquer, parce que dans le musée de Quai Branly, nous avons répertorié 90 000 pièces. 90 000 pièces en provenance de l'Afrique, dite Afrique subsaharienne. Dont notamment, je sais qu'il y a exactement 9 820 pièces pour provenance du Tchad, 1428 pièces en provenance de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Et parmi ces pièces, il y a la œuvre d'une richesse vraiment inestimée. Il y en a certaines des pièces et outils du côté Luba, Tchokwe, du côté Congo, Teke, ben, en fait, il y a de partout. Alors, quand j'ai expliqué, il fallait maintenant poser l'acte symbolique, parce que le fait de parler et de devenir dénoncer, notamment les gens qui nous suivent, savent que nous l'avions fait déjà à plus d'une fois. Mm-hmm. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une action qui consiste à conscientiser seulement les gens. C'était un acte, une opération de récupération. Donc, il fallait récupérer le bien. Comme on n'a pas l'habitude, et tout homme normalement constitué, conscient, ne peut jamais aller demander au voleur la permission de récupérer son bien. Mm-hmm. Alors, je ne voyais à personne ou à qui aller demander l'autorisation d'aller récupérer ça. Et le malheur, c'est qu'il y a encore rajouté, deuxièmement, parce que j'avais dit dans un premier temps, dans un second temps, deuxième temps, et donc ça a dit sous ce est basculé, Nignola, Emmanuel Macron venait de mettre en place une commission qui était censée répertorier justement ma pièce Swana, et puis bah, décider qu'est-ce qu'il peut faire. Lorsque la commission a ici les travaux, on va remettre les travaux auprès à Macron. Bah, le bilan à Macron, que vous ne pouvez que restituer 40 000 pièces sur les 90 000. Et c'est à Macron de décider quand et comment et quelles sont les pièces qu'il peut enlever ou rajouter. Vous imaginez un voleur à voler et il se lève un bon matin et il dit je vais leur rendre des pièces que je décide, mais pas tout, autant. Alors c'était une insulte de trop. Il fallait faire comprendre à ces prévaricateurs qu'il y a des limites sur le plan de la morale, il y a des limites sur le plan même de la puissance militaire et culturelle, ça peut être. Alors, je me rappelais d'une phrase d'une maman qui avait 70 ans à l'époque quand j'étais vers les Caraïbes, elle était de la Jamaïque. Elle me disait, vous ne savez pas de quoi est-ce que le monde est capable. Quand le monde tout crie, tout s'arrête. Et cette phrase-là résonne dans ma tête. Alors, ce jour-là, il fallait la kenner. Il fallait qu'avec les amis, on puisse poser cet acte-là. Donc, dans Tokomi, quand on a sali, Noël a bandi, au moment où on a bandi, il y avait quelques vigiles. Parce qu'à chaque fois, dans le musée, on a à chaque fois, bah, tiens, vite, bah, vigile, mon qui veille, à chaque, couloir ou chaque allée, il y a musée. Et effectivement, vous voyez, les amis lui ont dit de ne pas m'approcher. Quand les amis lui ont dit de ne pas m'approcher, moi, je suis monté. Alors, quand j'ai soulevé, j'ai compris qu'il y a 16 ans, il y a 100 le mot de Sibéon. Il y a 10 000 ans, il y a 100. Mais mon y a le Mwaka. Donc, il y avait un deuxième socle derrière, où il y avait accroché à Kéon Asima. Alors, ce qui est au milieu, au long, là, on a accroché à Sima, et s'accroché à socle à Sima. Ce que l'on a fait, et s'accroché à Sima. C'est alors que j'ai demandé à notre ami, Aya Edinga, Tobimission. Alors, quand on a pris, j'ai passé le message qu'il fallait. Il nous fallait maintenant nous diriger vers la sortie. Et quand on s'est mis à se diriger vers la sortie, c'est là qu'on trouve voilà, le frère qui se disait qu'il est mon frère. Alors, lui qui est au groupe du Malangote, tout ça, c'est son travail. L'autre, et soudainement, le vigile qui était là, ils étaient nombreux en tout cas, tous sont venus, ils nous ont encerclés de manière assez ghetto bimala. Et puis, en fait, toutes les personnes n'ont fait passer l'image. Batunion sont obagi qu'on visitait aussi, bah, s'arrêter, parce que le message. Et captiva qui bango et puis interpellé bango. Ils ont voulu écouter pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et bah tout nyonso, à l'instant on a plus rien ne fonctionnait dans Katia musée voilà. Bah tout basaki même Ibanda bah Vichy bah bango nous pas côté. Et puis bah tout basaki nos bah qui bah visiteurs bah on nous pas y place voilà. Et puis on continue à expliquer.
je faisais passer le message pour qu'ils comprennent que la violence qu'ils sont en train de commettre contre nous, et ça, violence au-delà de la violence physique, parce que je dirais que jusqu'aujourd'hui, nous sommes exploités. Nous sommes exploités pourquoi? Parce que nous sommes, par exemple, les héritiers de ces œuvres-là. Mais il se fait que nous n'avons pas acquis ou bénéficié de notre héritage. Bah, nous avons exploité parce que pourquoi il faut foutre en bongo? Pendant combien de décennies? Bah, tu vas côté ici combien? Je sais qu'une fois, j'avais, dans une année, en 2015 ou 2014, Natala qui restait amusé à Kébranli, ça allait vers des 14 ou 12 ou 10 millions d'euros. Donc vous imaginez, c'est une exploitation de l'intelligence de nos aïeux, à exploiter quand nos ancêtres sur le plan physique. Ils ont travaillé gratuitement, parce que le plus grand projet économique qui a permis l'Europe et l'Amérique du Nord de devenir ce qu'ils sont devenus, c'est l'Eurasien négrier. Parce que vous avez pris de la main d'œuvre gratuite, vous avez pris de gens d'abord que vous commerciez, fallait au son babatouana, il s'agit de la transaction. Bango, tu vas donc gagner mon nom, mouillé, bango, batou, annonce sur l'esclave, bango, bateki, bango, basson, bango. Donc, ils ont gagné. Au-delà de ça, nos ancêtres ont travaillé dans des champs de coton. Ils ont travaillé pour construire des chemins de fer. Ils ont travaillé pour construire des bateaux. Ils ont travaillé pour construire des maisons. Ils ont travaillé pour construire des églises, pour construire des ponts. On ne les a pas payés. Rien en contrepartie. Et ils ont produit des œuvres d'intelligence. Et après leur disparition physique, ils continuent à exploiter leur intelligence. Donc, j'avais compris que les esclavagistes n'ont jamais lâché et ne veulent point lâcher. Parce que en continuant de bénéficier de l'argent, il y a un voilà, quand ça va abuser, voilà, ils sont en train de dire ces gens-là qu'on avait seront éternellement des esclaves. Mm-hmm. Parce que par exemple, on va directement bah, producteur, il y a un œuvre. Voilà. Alors, bah, on va continuer à exploiter. Bah, alors, il fallait mettre fin à l'exploitation de l'or. Il fallait mettre fin à cette manière tellement criminelle de pouvoir gagner de l'argent et de nous faire souffrir, de nous insulter à la limite. C'est pourquoi, tant au bandit, à ce moment-là, on a passé le message et évidemment, ils nous empêchaient de passer parce que, parce que nous ne nous sommes pas venus là pendant Bimawabo ou Pamba, on a refusé. Nengue imagine la vidéo, ok, on ne donnera rien du tout. On l'a gardé jusqu'à ce que la police arrive. Quand la police est arrivée, Herba Koti, alors je posais la question à celui qui est venu vers moi. C'est toi les représentants de l'État. Il me dit non, je suis de la police. Alors je lui ai expliqué pourquoi nous étions là. C'est en ce moment-là que la police était désarmée. Parce que quand il répond, il me dit oui, je comprends. Mais ce n'est pas la manière de faire. Alors, ça m'a énervé parce que ce n'est pas celui qui me tape, qui me dit comment je réponds, comment à la suite. Ah, comment à réagir. Ce n'est pas la personne qui, voilà, qui m'insulte, qui me dit comment toi tu vas réagir et qu'est-ce que tu dois faire et à quel moment. C'est alors que je lui dis, tant ou bango batende ko zwa mukuna, à qui ont-ils demandé l'autorisation, la permission? Qui leur a donné ces objets-là, des valeurs? Alors, on devait faire, c'était aussi une façon pédagogique de dire à tout le monde et à tous ceux qui se sont engagés dans ces combats, on ne mène jamais un combat selon les méthodes et les règles de l'adversaire ou de l'ennemi. Ce n'est pas parce que lui nous dit qu'il faut le faire ainsi que vous n'avez pas ça, que vous n'allez pas gagner la guerre. Parce que ça, c'est lui qui les détermine. Alors, en ce moment-là, on a continué à parler. Ils étaient désarmés, toute la police, une vingtaine de policiers qui étaient à l'intérieur et à peu près une dizaine à l'extérieur. Alors, ils étaient désarmés, ils ne pouvaient pas agir face à la vérité, face aux faits historiques probants, face aux preuves présentes au sein, à l'enceinte du musée. Donc, ils nous ont écoutés pendant, pendant 25 minutes à peu près, les temps en Bayaki. Donc, 20 minutes à 22 minutes, la police a écouté sans réagir. Afin de dire que nous ne sommes pas encerclés. Parce qu'ils voulaient eux aussi comprendre. Comprendre. Ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, pour comprendre d'une autre manière de leur mépris et de leur irrespect au bazar vis-à-vis de nous. Donc, ils étaient là, ils ont écouté jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont dit bon.
on doit partir, tout ça, ils ont voulu prendre les portables. Je me suis chargé de protéger les images jusqu'à ce qu'ils nous ont dit, tant que l'image est Kati, Balobina Bisso, donc, on doit te ménoter, pour te ménoter, puis nous sommes des vous avouez, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit en état d'arrestation, pourquoi? Oh non, vous êtes venu dans un musée, comme ça, prendre quelque chose qui appartient au musée Nabi, il n'y a rien ici qui appartient à ces gens-là. Tout le monde, quel est le nom de la personne qui a été capable ici chez vous, parmi vos savants et vos intellectuels, de produire ces œuvres-là? Bouche bée, à qui vous avez donné l'argent et où est la facture qu'on vous a remise, justement, de la transaction qui a eu de ces opérations? Rien du tout. Bon, on a discuté un peu. Bah, lui, non, on doit quand même vous amener au poste, et comprenez. Bon, ils m'ont ménoté, ils ont ménoté les autres. Au moment où ils m'ont ménoté, il y avait, c'est lui, un des policiers noirs qui était là, qui répond l'objet. Et qui, après, comme moi, j'ai donné le dos, je n'ai pas vu dans quelle direction qu'il date. On nous a sortis de là. Quand on nous a sortis, Tante Bimi Libanda, il y avait encore un groupe de sœurs qui étaient là. Je pense que Filma, qui même, Tante Zuma, j'ai passé encore un message. Ouais, et jusqu'à ce que... J'ai les images ici. Ma discussion dans ma voiture, pas la fourgon, la bango et la... Pas la fourgon, la bango et la police, mais dans ma voiture banalisée. Ma voiture normale, ou maintenant, bon, parfois ma Renault, ma Peugeot. Donc, on est monté dans ma voiture différente, nous tous. Bon, il y avait 4 ou 5 voitures, tout cas. Bah, même ici, on a commissariat à 7e arrondissement. La commissariat à 7e arrondissement de Koumi. Ce qui était. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'était une autre ambiance au commissariat parce que les autres voulaient venir vers nous. Discuter l'histoire avec nous, des policiers qui se sont fait des professeurs d'histoire pour contester Bamakamoussou. Et voilà, après Bazubiso, comme on était 4 hommes au Bakangaki et une femme, Bazubiso, les 4 hommes dans une cellule, nous sommes restés dans la cellule, on a dormi, s'il vous plaît, debout, parce que Béton et les Akimoukim, Oula, la Bouizade. Alors, un dormait, les autres trois, on était carrément debout parce qu'il y a ces moyens pour faire des alakités. Vu le terme, il y a ma cellule, un des alakis. On est resté debout. À un moment, on échangeait. Ce que nous, les mimes, on se sentait les mimes, qui a la vie, tout ça. Le deux jours, ouais. Le deux premiers jours. Bon, arrivé à l'intérieur, ils se sont voulu que nous payions ça empreinte et puis ça va prélèvement ADN, j'avais sur ma photo. Alors, je leur ai posé la question, dans quelles circonstances pour ça va prélèvement ADN, bonjour, empreinte et puis bonjour, ma photo. Le bilan, c'est quand il y a un délit ou un crime. J'ai dit, alors l'acte que nous venons de poser n'est ni de caractère délictueux ni criminel. Il n'y a pour nous aucun délit ni aucun crime. C'est un acte carrément politique avec le symbole de pouvoir récupérer ce qui nous appartient. D'autant plus que je conteste ces qualifications, je ne vois pas la raison pour laquelle on peut s'amener aux empreintes. Alors j'ai demandé à tout le monde que personne d'entre vous ne donne ses empreintes, que personne n'accepte le prélèvement ADN. Ils sont venus, l'OPJ est venu pour nous dire que c'est une loi et c'est l'obligation. Je lui ai dit, devant une loi injuste, il n'y a que des imbéciles et des idiots qui obéissent. Moi, n'étant ni imbécile ni idiot, je ne vois pas la raison d'obéir à cette loi. Et revient quelques temps après, vous ferez une année de prison et tout ça, je dis, dans un pays comme la France, la place d'un véritable combattant de la liberté, c'est en prison, ou je ne sais pas moi, dans vos palais de justice, tout le temps comme vous m'étreignez. Ce n'est nullement ça qui me fera reculer. Ils sont revenus à un moment donné que vous serez directement transféré en prison si vous ne signez pas, parce qu'il n'y aura même pas, les magistrats ne rigolent plus du tout avec ça si vous refusez la signalisation. Dites à votre magistrat qu'il passe le message au prévaricateur Emmanuel Macron qu'il doit restituer ses biens. C'est lui les voleurs, c'est lui les receleurs que la justice se tourne vers lui. Il est réparti, ils sont revenus encore à un moment donné vers la dernière fois. J'ai dit, bon, on arrête la discussion avec vous, on ne donnera rien du tout. Nous sommes restés, cette journée-là, deuxième jour et l'équipe. Maintenant, le deuxième jour, le premier jour et l'équipe, deuxième jour, votre garde à vue a été prolongée de 24 heures encore. On a dit, ok, il fallait maintenant que je signe le procès verbal. Or, dans le procès verbal, pour ceux qui ont déjà été vers le commissariat ou qui sont passés vers le service de police, dans un procès verbal,
réitère les faits qui vous reprochent. Cela ne dit pas que vous êtes accusé ou condamné, mais il réitère simplement le fait. Or, moi, je considère, en signant le procès verbal, tu prenais connaissance de ces faits-là qui te sont reprochés, et indirectement, dans leur fiche, ils vont inscrire ça, parce que la police a une façon insidieuse de travailler, dont je connais très bien les méthodes, d'autant plus que c'est devenu comme une seconde domicile, d'autant plus que depuis cet engagement où il y a énormément de fois où je suis passé. Alors, j'ai refusé aussi de signer le procès verbal. Mais par contre, quand il y a eu l'audition, l'OPJ posait des questions et la manière qu'on répond, là, on a signé les auditions parce que ce sont nos paroles à nous et nos déclarations. Par contre, le procès verbal, on ne les a pas signés non plus. Jusqu'à ce qu'ils nous ont dit, à 20h, normalement, faut qu'on garde à vue, eux aussi, à 20h. Et à 20h, voilà, on signe nos dépôts. La dépôt au tribunal où vous verrez la procureure de la République et ensuite, vous verrez le juge de détention et des libertés qui va décider si vous serez libre ou vous serez en détention jusqu'au jour de votre procès. Alors, vous avez dit 20h, il y a eu maintenant une forte mobilisation. Parce que déjà, quand on était à l'intérieur, la première minute, à la première seconde qu'on a été arrêté, quand l'information a fuité, les amis ont commencé à mettre le camarade Moizoulou a été arrêté, le combattant Moizoulou a été arrêté. Nous l'avons traduit aussi sur le réseau patriotique. Voilà. Et l'OPJ avait justement devant elle, parce que c'était une dame, disons, elle était scotchée sur ma page Facebook. Et à partir de ça, on voit maintenant l'actualité, le fil d'actualité défilé. Alors, le mot passé, un tel a posté, un tel a posté, Ngolou d'Afrique a posté, un tel a posté, Adina Sekmet a posté, Coco Loulé l'a posté. C'est-à-dire, il y avait tellement de gens qui postaient. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait en photo ces messages parce que pour elle, c'était des messages forts et puissants. J'appelle à la mobilisation massive. Le frère Moizoulou a été arrêté. Le voleur, on ne négocie jamais avec le voleur, libérez nos camarades. Au moment où elle prenait des photos, elle s'attardait de prendre des photos, ça continue. Elle va vers la vidéo, elle voit comment ça tourne, elle dit, mais c'est pas possible. Elle va dans un truc, elle voit comment les gens... Elle regarde dans d'autres groupes, elle dit, mais c'est pas possible, mais comment il y a ça, c'est quoi ça? Elle arrête direct de continuer son audition, elle met tout ça de côté, elle appelle ses collègues. Ses collègues qui rentrent, elle dit... On est face à une ramification, à une grosse machine politique. C'est une ramification que je ne comprends pas parce qu'ils sont beaucoup. Ils parlent, c'est regarder. Après, le réveil me dit, pourquoi on t'appelle grand combattant? Parce qu'il regarde dans mes messages, tout le monde mettait grand combattant. J'ai lui dit, non, peut-être que je suis un combattant comme tout le monde, mais peut-être que je défends des causes, de grandes causes. C'est ce qu'elle a voulu dire, c'est ce qu'ils veulent dire peut-être. Mais pourquoi tout ça vous? Après, elle, l'OPJ a fini maintenant par comprendre qu'il y a une dimension politique dans l'œuvre. C'est là qu'il y a eu une réqualification des faits. Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit non, il n'y a plus de vol, il y a tentative de vol. Or, moi, j'ai dit, dans la tentative de viol, il y a intention préméditée d'aller voler. Alors là, y compris ça, y compris le vol, le deux actes-là, on ne le reconnaît point, on ne signe pas. Oh, on doit recommencer l'audition. J'ai dit, prenez ce que j'ai dit avant, mettez-les dans la seconde audition, il n'y a plus de déclaration à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un deuxième. Parce que quand on était là, ils ont appelé le musée. Le musée a dit, ils ont ramené la pièce dans la restauration, dans le service de restauration, pour restaurer l'œuvre. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a eu aucune dégradation. Maintenant, eux, ils prennent ma vidéo. La vidéo que j'ai mise en ligne. Il regarde là où j'ai essayé d'arracher, de déboulonner la chose. Il y a des poussières qui étaient là, la poussière du bois, parce que c'est du bois, c'est normal. Il y avait de la poussière du bois. Ils disent, non, il y a des déchets du bois, donc ça a été joli. Bon. Est-ce que l'œuvre en soi-même a été dégradée? Oh non, là où vous avez retiré, là, il y a des poussières. Je dis, c'est un mensonge grossier. Alors, dans ces cas, je demande la confrontation. Avant que vous ne puissiez nous déférer vers le parquet, je demande la confrontation avec l'entité où ils ont déclaré qu'il y a eu une dégradation de biens classés. Et c'est là que Tombo dit, ah non, la procureure verra tout ça. J'ai dit, s'il n'y a pas de confrontation, il n'y a plus de discussion avec eux. Ils sont partis, ils sont allés voir la procureure, ils ont parlé avec le magistrat. Le magistrat leur a dit, bon, rajoutez encore. Ils ont rajouté un troisième élément
comment ils ont appelé ça, dégradation en réunion. Vous avez fait ça, vous tous, vous êtes concernés. Ils sont revenus avec, je refuse encore de signer. Ils ont rajouté un quatrième, le fait de refuser le signalement, un an d'emprisonnement, et si c'est si, c'est là, j'ai dit, du moment où les qualifications que vous mettez en avant, vous parlez d'intention de vol, dégradation, on ne les reconnaît pas. Donc c'est lié. Pour nous, il n'y a ni délit ni crime. Quand il n'y a ni délit ni crime, je ne vois pas pourquoi je vais me permettre le luxe. Et on peut s'abîmer nos empreintes, on peut s'abîmer nos prélèvements ADN, on peut s'abîmer nos photos aux enfants d'afficher. Babi, mais c'est la loi. J'ai dit, c'est une loi, je vous ai dit déjà, devant des lois pareilles, puisque va tout le monde, puisque tu répondras à côté. Donc il n'y aura rien dans ce sens, comprenez une fois. Bayo, dit Kabakei. Alors, moi, c'est ça, parce que les amis sont venus physiquement. Après la mobilisation dans les réseaux, les camarades se sont déplacés. En cercle commissariat. Il y avait, voilà ce qui s'est passé. En tout cas, il y avait plusieurs groupes. Premier groupe payé, qui est une deuxième groupe payé, qui est une troisième groupe. Mon week-end, non. Tout a bloqué sur la carte, moi, tout alors qu'il fait tout depuis 20 heures. Nous sommes restés jusqu'à 2h15. Pareil, vous sommes. Donc, en quelque sorte, garde à vue continue à qui jusque là 2h40 mais vous avez sur la moutouka Tobimi Kobimanyo sur l'an de Toyo Okende Tokomi Kobimanyo sur l'an de Toyo Okende Tokomi na palais de justice à Paris, la place qui est la porte de Kishu, ouais je pense Tokomi wana. Et bien, on tient sur la prison, mon raison la 4 icône. Ma prison, c'est bien, vraiment, c'est des prisons, prisons dignes des prisons. Donc, chacun maintenant sa cellule, ton côté. Ma salle, ma prélèvement, ma zu, ma combo, ma salle, tout ce qu'il fallait. Ton kei, ton aliti, ma 8h du matin, ma zu, tous les 4 amis, ma lexi, ma mot, ma baye, vous aura, vers ma 9h30. Et à un moment donné, ce qu'on les aïe, ma zu, ma mot, ma on se va kei, ma lobby, demander au porte-parole, au camarade, moi, zu. Et au moment où on a été, donc, on a été le babazo Tindaba au Panama. Si on a été au Panama, moi je complique, je maintiens la position. Jusqu'à ce que 9h30, la procureure est venue, a occupé ça successivement. Alors, oui, bon, le fond du problème, on ne va pas en discuter là. Ça. On a signé du fait qu'elle nous dit ça, je vous dis que je vous reproche. Mais ce n'est pas forcément. C'est que c'est pourquoi vous êtes vous serez condamné ou quoi que ce soit et tout ça c'est serré à voir. Après il dit aux autres amis sans me dire à moi, nous savons que vous avez un comité de soutien, alors le 30 septembre n'amenez pas votre comité de soutien parce qu'il peut y avoir débordement tout ça. Alors là ça démontre que véritablement les mobilisations à travers les réseaux et les mobilisations physiques sont la véritable force et puissance que nous disposons en ce net monde. Absolument. Quand il s'agit de nos pays et il y a la question de l'avenir de notre mère patrie, je puis vous assurer, les mobilisations des réseaux sociaux, les mobilisations physiques sont d'une force, parce que ça c'est la troisième fois que les mobilisations m'ont sorti de la voie de la prison, où c'était déjà tracé, que lui-là, celui-là, souvent ils disent leur Thomas Sankara ou leur Lumumba ou leur Che Guevara, amenez-le en prison. Mais quand il y a simplement les mobilisations qui commencent dans les réseaux et physiquement, ils ont toujours reculé. Bazoum a toujours ciment. Donc, à la niveau vitesse, mes messages, ils ont circulé, vidéos, ils ont circulé, bateau, Bazoum, pour moi, qui va te mêler par pages différentes. Et mes papas, je vois là, nous, c'est le réseau comme ça, Bazoum, Bazoum, qui est dans le même sens, Bazoum a bondé dans le même sens. Ce qui voudrait dire, c'est dangereux pour eux parce que c'est une conscience qui est portée par plus d'un. Ils savent déjà que sur ces points-là, Bazoum déjà. Pardon. Merci. Donc, même celui qu'on tient ne représente rien en soi, en vérité, dans le mouvement. Mm. Donc, il n'est que l'un des maillons. Merci. Et merci, Ndeko. À partir de là, tant que le procureur et le procureur nous a remis le document, comme quoi nous sommes convoqués les 30. Et elle nous a renvoyé après, parce que c'était une dame procureure de la République, elle nous a renvoyé maintenant chez les juges des libertés et des détentions. Alors, elle avait demandé 4 choses. L'interdiction de quitter la France métropolitaine. Donc, je ne peux même pas aller aux Antilles, Caraïbes, qui sont des territoires français. Je ne peux pas quitter la France métropolitaine. Je dois aller pointer chaque quinzaine.
je devais normalement ne pas être en relation avec mes amis avec qui nous étions arrêtés ensemble. Et puis, la quatrième des choses, je ne dois me rendre plus jamais au 7e arrondissement et plus jamais dans aucun musée en France. Voilà les quatre éléments qui ont été réduits. Mais je suis allé vers le procureur, le juge de détention des libertés, pour lui dire il est quasiment impossible du fait que vous nous condamnez ensemble et que vous nous empêchez d'être en contact. Parce que justement, nous devons préparer notre procès ensemble. Voilà. Il a fini par lever cet équipement. Et les policiers même nous diront que c'est pour la première fois que le juge cède sur ces points-là. Il a levé cette équivoque. Concernant le voyage, je lui dis que je suis le porte-parole international de notre organisation. Et c'est moi qui suis à la charge de tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voyager et je ne me suis jamais dérobé face à la justice. Je serai présent. J'ai une adresse, je ne vois pas la raison pour laquelle je peux aller pointer chaque quinzaine. Alors le juge des libertés me dira de revenir. Donc justement, demain mardi, je serai au tribunal avec les preuves comme... qui prouve notamment mon adresse, donc c'est-à-dire comment on appelle ça, les justificatifs de domicile, et puis les éléments qui prouvent ce que j'ai avancé à Lomé, à Kinshasa, à Côte d'Ivoire, là où je vais, pour que ma levée, pointage, ma levée, interdiction et à France métropolitaine, jusque le jour du procès, le 30 septembre, on doit répondre devant la face de la justice, le tribunal. Je dirais des prévaricateurs sur ces questions, notamment qui nous reprochent. Voilà comment le déroulé s'est passé tout au long de cette épreuve. Merci. Merci infiniment. Na comme au moins que na kanti bande ko ba remarquer que na meli vert yama il y a quelques minutes simplement parce que mungongo ko que vous voyez donc et loko to ko ko sala pona mboka na biso yangoyo ezala musala ya mutu mo côté ezala musala na biso nyoso c'est-à-dire que mutu na mutu a ko ka ko apporter contribution na ye. Et là il a dit quelque chose de très important. Na langage naé, la chose la plus importante que moi j'ai retenue ici, c'est la solidarité et puis mobilisation et propagande au tout ça là qu'on a les réseaux sociaux. Bah tout mingi bah mon angolo ko les locaux et les gens continuent à nous rappeler ah kolo bakaka kolo batosi to lembi et bah acte zala kate siko bolingi bah tout bah poser bah acte en ondenge nini binomoko boyoki s'il faut bah tout bah zala na au four et au moulin. Ce qui est le cas, c'est que les gens qui ont été en train de se faire sur le site où ils sont touristiques, place de musée, ils sont en train de se faire. Alors que si c'était toute une population, c'est-à-dire que les gens qui ont été en train de se faire, 1000, 2000, 3000 personnes ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, politiciens. Ce qui est le cas, c'est que les gens ont été posé acte. Surtout na ba cible auto zo benga ba Microsoft ba Sony ba Apple ba biloko wana nyonso oyo bazo utiliser technologie en continuant à voler nos minéraux oyo zo appartenir na biso na sima ko pesa quelques miettes na ba soin disant politiciens ou ba politiciens na kanisi nous pouvons faire bouger le monde et tala acte de quoi poser ndenge ningi saki ba réseaux sociaux et je vous remercie vraiment à cause na biso aussi nombreux beau partager vidéo pour être kala kaka ya biso te. Prochainement, tu peux jouer à cause de la live, c'est-à-dire que tu peux caboler l'écran, na YouTube comme na Facebook, nous avons déjà le programme où il peut permettre que tu joues à Zali live, bozo monaye et cause la source par la voix T. Je remercie Sof Kent, n'engazo partager en bandeko oyo, ba koki kota la biso to Zali live et pas à John Image, to Zali live na Sof Kent, to Zali live et pas à Gilgal Medianet na Canada. Et pas y a maman Media Medina. Merci mingi vraiment na bandeko bati ango live na ba page na bango na ba YouTube na bango ndeko mwazulu vraiment o meka komela mai pendant que tozo ozo mela mai toko zongela yo sikoyo okotsa biso na conclusion, c'est-à-dire avant que na conclusion na katia conclusion na yo opé sa biso ne serait-ce que exemple moko moko ya biloko mentionné a olobi lutte na biso pe récupération na biso ezali récupération intellectuelle, culturelle, spirituelle, sociale, scientifique, économique et politique.
na catégorie moko moko oyo la biso exemple ya oyo bayiba biso ndenge nini bayiba biso mayele ndenge nini bayiba biso culture ndenge bayiba spiritualité na biso ndenge bayiba vie sociale na biso ndenge bayiba science na biso o meka ko expliquer biso yango nde ekomema biso na sima masolo pendant ce temps là ozo mela mai cha micro na silence to kamata ndeko misezuel a meka ko compléter yo parce que ndeko misezuel pe na baninga mosusu awa en États-Unis basala ki même genre ba misala ebele et surtout na mekanda oyo tokoma na niveau ya Nations Unies depuis après le discours ya maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwe Ndwazabanga abo manko inali nali konga oyo asengaka acte oyo posé pratique ya asengaka ngo verbalement et toyo kande comme saison de comme saison lo sako pa inayo. Oui, merci Gino Will, merci Losa Konayo, kopi sangai opportunité na moko na lelo ko ya na kati ya Eve Patriotique. Nandeko Mwazulu vraiment na pesi lo sako longo nya ya trop na capacité na na force na ye na na misune ya kofungwa manenge wana na esprit na ye donc na pesi vraiment lo sako ya trop. Voilà ndeko Gino maloba oboka yo. Merci Olandi ndeko Mwazulu ndeko Mesezuel na catégorie ya makambo ya lobby na mwa minute moke mwa 6 minutes mais kana nko yebisa biso yo ozalaka déjà un grand activiste à l'époque ozalaka na Suisse après oyé awa na États-Unis tango le maréchal Mobutu asalaka demande wana et na ba document mingi oyo bino bokoti sa na niveau ya Conseil de sécurité des Nations Unies bo singapé yango que babanda ko restituer ba statut na biso étant donné que ba considérer yango que za kindoki eza mabe eza sorcellerie pourquoi ba garda kango na ba musée na bango mais kana nous ko expliquer biso la démarche et suka wapi et kenda wapi na moi 6 minutes. Oui merci Ndeko Gino, voilà na loba boy moi étant de son ba bilor ya ba œuvre d'art donc ezali ba pays na ba pays ba na ba œuvre d'art na bango puis na ba artiste na bango. Soko zui ne ki France ba ko ba France des Renoir. Oye na Belgique ba ko ba France de, la Belgique des Rubens. Oke na Hollande Rembrandt. Oke na Allemagne na Italie ba ko ba nini ya Michel-Ange. Ouais, donc artiste wana tu baza na ba œuvre na bango ba mboka na ba mboka baza na ba œuvre na bango misikoyo. Nathan Yolobia wa Mobutu na les 4 octobre 1973 à Matatra na likolo ya tribune ya Nations Unies a pesaka discours wana alors un discours ya ikoloba bo puisque lo baka ba diloko ba ndenge déshumanisation ya Afrique ba makabwebele et ndenge peke Ndeko Mesezuel, s'il te plaît, soko tché biso na speaker, longola biso na speaker, parce que tout comme ka musika. Olo Bambala moko sur le téléphone. Eza facile. Ah, okay. Voilà, là c'est bon. Ouais. OK. Alors voilà, donc alors tant à lobby dans la biloko, lobby même Allemagne. Tant Hitler a kina ko pillé misé à Louvre. A pillé à misé à Louvre. Alors tant que komaka na tant oyo ba cercle qui Allemagne. Au Allemagne pour na accéder à genre de défaite mais avant même signature on va bien la signature il y a armistice et intervenir bah français bah kotaka l'Allemagne va récupérer bah œuvre d'art na bango Hitler a pillé bah singaka autorisation na motote bah koti bah zui yango bah zongi na France alors ndeko mwazulu et l'acte est posé bango
bazwa ka ngo bayiba ka yango babotola ka ngo na makasi alors mobuta yango bakisa bwabi non tant ou Allemagne a joué à France a récupéré yango siko o ya biso moko toza na lelo toza na force moko te yango ke na ba musée on a partout na New York awa na Hollande na Belgique na France na Italie toza na force moko te yango récupéré ba œuvre d'art na ya biso. Alors, ce qui m'a dit que ça, c'est la résolution. On a dit la résolution pour nous faire un pays anciennement colonisé. On a dit œuvre d'art. On a dit que ça, histoire, il y a alors, Nations Unies, résolution, on a dit qu'il y a un mot. Alors, les lots, donc, tout ça là qu'on a force des temps mon but à l'obar mais force en haut yango on est tigo et bangiwana donc à la poser on est yango on est amis nous on a na rolo mais sous boy et ça ils ont sous kawana té même bah kit tigo y a biso bah kit y a traduction bah chez eux y a traduction au moment ni temps où bah portugais bah zoya na pour moi tant bah yango kit alana bah nzingakouf mais bah mon nom bah zéro contact na bangi zala kandengini bah chef ou y a kala soka fandi na kit Portugais aza koloba na kiti wana ya fandi automatiquement aza ko comprendre makambo ba portugais baza koloba. Alors ba bango baza ko comprendre mais comment on ya fanda kana soka fandi na kiti wana te tant loloba ayoka kabote. Mais soka fandi na kiti wana makambo tu aza ko répondre biso aisement. Donc aza ko comprendre. Alors après ba mbemaka ba kiti wana bazwaka yango ezala kana Vatican. Ba tiango na Vatican donc l'Afrique ezala ka mibale. Il y a Congo, au Bâtiment du Vatican, na ya Ghana, au Yobamima, na Grande-Bretagne. Alors voilà, et là on est allé, il y a où il y a Koloba, n'importe qui n'a ouï le haut du Koloba. Et allé au moment, tous allés dans le niveau tout. Au moment où ils allés occuper, tous allés dans le niveau tout, tous allés niveau il y a au Lukaku, au Sokola, au Sikola, au Mokawana, tous allés niveau il y a bah loi, il y a droit, tous allés niveau il y a bah économiquement. Donc voilà, il y a eu le bas, un mois rapide, donc à 6 minutes, donc la zone ici, je n'ai pas eu de continuer. Merci beaucoup pour la contribution à yo. Et c'est là qu'il y a la parenthèse de Komoazulu à Kokakomelamai. De Komoazulu au Kouéa pour permettre Bissoto, Tikaline fluide pour interférence et Zalati. Toko Kendekotal Nanzela à Singa, Tosu Bapele Bele, Tosuata, une ou deux personnes, Bamekako, Tunape, Ko compléter peut-être Namakani. Si les temps, Tosung San de Komoazulu Maloba et Tikali Bisso, 22 minutes pour Tosilis. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, Maman Letty. Il y a trop de bruit chez toi. Vous allez live. Les canicinaux, vous allez nini. Vous allez dans mon tournat. Oh là 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 là. Il y a trop de bruit chez toi. Il y a du bruit chez moi. Ouais, vous êtes passé. Ok. Là, tu m'entends beaucoup mieux? Ouais, merci. Ozana Motunato, Olingio, okay. Complété, na moi, mécanicé 5 minutes, na yo. Non, Nazana Motunate, je voulais seulement dire quelque chose. Bonjour, Kanga. 5 sur 5. Papa Ginozo, Kanga, bien. Tozo yo, Kayo, 5 sur 5. Allô? Oh là là. Bandeko. Maman Letty, Tozali live, au moment, Makele, Lisa, Pembe, na yo, Ebele.
Toujours au caillou. Vous m'entendez? Ok, moi je voulais seulement dire quelque chose. Au fait, d'abord je remercie Papa Moisoulou. Merci vraiment pour ce qu'il a fait. Donc je pense que je lui avais laissé un message, il a certainement entendu ça. Je pense qu'il faut voir plus loin. Il ne faut pas seulement se limiter à la restitution des œuvres d'art, même si ce sont des entités. L'acte que Papa Moisoulou a fait, cet acte-là, ça voudra dire que le débat au niveau de la colonisation pourra revenir dans les parlements. Donc, si on parle de colonisation dans les parlements, ça veut dire qu'on peut parler de génocide. Et si on parle du génocide qui s'est passé en 1800, ça veut dire que le génocide qui se passe actuellement chez nous au Congo pourrait être remis aussi sur table. Ça veut dire aussi qu'il y aura un dédommagement au niveau de l'Afrique. Ça veut dire que les Occidentaux devront dédommager les Africains par rapport à tout ce qu'ils ont fait, toutes les œuvres d'art, c'est pas des œuvres d'art, ce sont des entités. En fait, ce sont des entités qui protégeaient les tribus, les villages, les familles qui ont été pillées. Il y a même des crânes, hein, je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a des crânes de chefs coutumiers qui a ici chez nous ici en Belgique au musée de Tervuren. Et ces crânes-là, c'était des trophées. Ce sont des chefs coutumiers qui ont refusé de se soumettre à la colonisation. Et ben Kati Bamitu na Bango, ba Memi Ango Sikoyo. N'intervurent comme des trophées. Il y a même des fœtus, il y a même des ossements de femmes ici, dans le musée d'intervurent. Lui, Michel, avait déclaré de manière officielle que les ossements humains, il faut aux ongles, c'est un mot. Mais malgré qu'aux ongles, c'est un mot, pour des raisons que Baromoko va y bien haut. Alors, l'acte que Moisoulou a mis sur la table par rapport à tout ce qui est en train de se passer, soulèvement par-ci par-là, à propos du racisme, vous voyez que Ato Asali et Kokene Moussika. Et quand il y a des moussikas, ça ne va pas seulement se limiter à la restitution, mais on va parler de l'esclavage. Et quand on parle de quelque chose, même quand on s'excuse, on ne peut s'excuser, on ne peut trouver la paix si la justice, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Ça veut dire qu'on doit parler de l'histoire de l'humanité. On doit parler des gens qui nous ont oppressés, qui nous ont infantilisés, qui nous ont embrouillés, qui nous ont abrutis. Tout ça, on doit remettre ça sur la table. On ne peut pas vivre éternellement comme ça sans que vous oppressez Batou et qu'un jour vous pensez que la facture ne sera pas présentée. Non. Donc, statuette au Bango Bazoko et Sawana, c'est bien. Il faut basa la yango. Parce que le monde doit être conscient de ce qui s'est passé pour qu'on ait un avenir meilleur. Il faut Totiango Likolo Amessa. Alors, franchement, encore félicitations à Papa Moisou. Merci beaucoup. Mama Letio Mekakokata, merci comme ça. Token bande ko soki to tikal na mutu moko to kozwa soki yebiko senga ki maloba meka o se déplacer aux à la place déjà makelé les athé pour ebebi s'afficher te parce que ça dérange moi moketo ko kamata mutu moko ya suka bande ko tolobaki na bino bobenga très avant na ko kamata mutu moko ya suka et on va s'arrêter là to ko kamata de convoluzi kake et toko kende ko suka nango wana tozong sande konvoluzi pardon de ko mazulu asilisa makansina ende kwa zo benga biso na numero 21 24 ko melanga na WhatsApp oye biso biso soko zali nde ko nani parce que to ko ka ko pesa maloba e te so to ye biote po awa to bomba kate la passion mona bona biso baino tata la pokanga mokanga bona ngai moindo tata konyo koma onyo kwama bona ngai moindo kasi alelo yo to pesi yo mokongo lo sako nde konvoluzi lo sako na yo papa jino omi na uti ezaka pona bakisa mukea na eloko nde kona biso apale za kitoko miki. Parce que les réseaux là, ils sont en Congo, bah, ton modèle voilà. Il faut vraiment tout l'année la peine dans ma Congo de façon que ma campagne s'est passée bien. Bon, au moins, on a ajouté dans ma Congo, il y a pas que j'ai gardé la biso. Il faut y a pas que na bambo comme source, n'est-ce pas? Par exemple, sur Kaya Benin, pour en aller faire d'études na Benin, na zo bak langa na Benin. Donc na Benin, bas on a histoire. Au moins, il y a un roi Tofa, un roi Béanzin, histoire, c'est parti très bien.
on en a pas par objet car na bango pas et vendant en ngope mutu na mutu a pesaka ba enseignera bango sur ba tra ba coutume tradition na bango. Donc bazan histoire moko ko raconter puis je souhaite pourquoi il faut se poser des choses aussi des questions. Au moins na yebi na ning na yebi na sola pe na batu na ba na batu ba kotia ba Benin ba biloko na ba ba biloko na bikeko na za na ba pouvoir moko ba pouvoir moko mso so maléfique ba on fait ba pouvoir ils ont un pouvoir parce que quand on a modèle ou anati ou ba yeba subi non encore ba boto bino biloko non et cela là toujours par des cérémonies. Je ne crois pas, parce que moi j'ai déjà causé sur ce sujet-là. Alors, mais il faut reconnaître que dans l'époque de Nabiso, est-ce que par exemple, nous avons vivre le chef du village, comme il y a ça. Oui, bah comme vous le dites, bah comme ça n'importe quoi dès qu'il est l'eau. Est-ce que responsabilité ou un appel à y a quoi qu'on a vu ces appels de quantité, c'est seulement ma question. Nous avons voulu à Watosa que le catétoye babazoua qui a monté et que ce tobana n'a pas récupéré en mot. Donc, ce tobani qu'on s'est posé basoua qui a monté ni toye bisayo que le caoutchouc rouge a mangé 10 millions de personnes. On nous a demandé la permission à personne, on nous a coupé le main. Ils étaient capables et à coca batouma beaucoup à forcer peu qu'au kamata yango et ce qui tobani qu'on réfléchit bon. Te récupérer en côté. Modèle n'y a pas de bango bazuela qui en haut, bazala qui conforce bako konabiso ba yebi mino kona bangote bako pese papier babi signé awa aboy ba katien beli ba signé na makila nae. Nous connaissons l'histoire et ça ce sont pas les détails que tu as développé le lot, mais problème n'a pas de s'aller, tu as récupéré en haut nan. Merci. Merci bande ko to ko pesa so sumalo bate to suki wana bande ko bobenga biso so so te s'il vous plaît to lo baki que émission ezali ya mituna pe bi anoté. On a donné 10 minutes à notre foi de pouvoir boire un peu de l'eau. Nous tendons sûrement vers la fin de cette émission to ko zongisa ndeko mwazulu na ko sala entre parenthèses nandeko na biso voluzi ndeko voluzi eye bani clair. Cultures et traditions ont été abannies depuis tant que mémé les biso ba religion importée. Je donnerai un exemple facile et naza ko singa na bande ko bozola ndabiso surtout biso ba tuabinza mizambi. Faisons attention à ce que je vais dire. Naza na vidéo na bosani kombo ya pasteur. Il y a un grand pasteur camerounais qui vient d'être décédé à Outiko Koufa. Pasteur wana na pandémie o ya coronavirus comme basengi batunyo so bazala confiné yé atelemi abandi ko sala ba prédication sur les réseaux sociaux comme quoi yé azali ko défier pandémie au nom de Jésus a fongoli église na yé a défié même l'État. Oui, que ma pasteur est toujours en connivence avec le gouvernement. Donc le gouvernement a dit qu'il y a un salam salam, il y a un 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 salam. Je pense que j'ai la vidéo ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Batouba Bandi Kokima ba hôpital. Naba centre ya dépistage babandi ko kende pa pasteur wana azo sambela bango po bakoka ko bika na corona 19. Qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après yemoko abandi ko présenter ba symptômes et jusque là pendant les 2 semaines aucune personne oyo bakenda na église wana mutabika kite à part oyo bazengi na chance bazo bika parce que soki ba wuti église bazongi na ndako bazo continuer ko mela ba matiti na biso bartemisia oyo baza nango bazo continuer ko mela citron avec ail bazo continuer ko sala ndenge biso tozo sala ngo traditionnellement et il y a bandi ko développé ba symptômes. Olé a kende na hôpital alingi ko kende ta lobi Jésus a ko biki sa ye. Et voilà, une semaine après, et komi sérieux, a bengi médecin na ye a conseillé ko a kende na hôpital, même so kazo sambela, et c'était déjà trop tard, il est arrivé à l'hôpital à Koufi.
débandade ekoti bandimi lokola bazalaka ba mouton balingi ko ndimate que non tango akomi na hôpital lokola na 2000 je sais pas 2010 ou 2011 a posé ka candidature ou 2015 a posé ki candidature contre président ya Cameroun Paul Biya c'est que ba assassiné bandeko c'est ça le problème toza na kati ya baba mpese na kati ya mutu na biso na kombwa Mahomet na kombwa Bouddha na kombwa ya Jésus akokobi kate Jésus quand il guérissait les gens Il leur demandait pas qu'après avoir prié, va à l'hôpital. Quand il te guérissait là, si Jésus a existé. Mais ce qui m'a dit, c'est que prière est obligée de s'arrêter. Bon, qu'il y ait un hôpital, bon, il bat la bosse en andaku, bon, là, t'as un masque. Arrêtez cette histoire des églises. Na Belgique, et bon, il bat le bélé, na Liège, ah, en États-Unis, église, il y a maman, moko akufa, ou babenga, raso ki, olangi, yé, moko akufi, na ba, bisimba, simba, na yé, mais batu église, na yé, ti, lelo, bazali, ko se réuni, na ba sous-sol, na ba kat, bandaku, ya batu, bandeko. Vous vous exposez, et Jésus ne va pas vous guérir, ni vous faire entrer au paradis, parce que bozomi, boumananko. Voilà une des choses oyo ebomi ba culture et tradition na biso aujourd'hui le monde entier bazo telema bazo bika na Artemisia mais les kaka bango moko ba reptilia ba lingi ko reconnaître Artemisia te parce que bazana projet ya koye na biso ba seringo ba ya koye biso ba vaccin oyo ko boma biso na masse et nous avons parlé de ça ici sur Réveil Patriotique. Voilà comment ils ont pris nos cultures et traditions. Na bambo kamo sou sundenge de Kolombia wana Lomé na Nigeria, bandimi Yezu, bandimi Mahomet, batikali pe na ba cultures et traditions na bango. Mais biso na Congo to boma yango complètement. Nzambe na biso ko sala, eh papa di na tika nzambe na biso azali et voilà na kati ya nzambe bango azo bisa bino prier pour vos persécuteurs. Donc ngai na fukami na zo sambe la pona Hippolyte Kanambe, nzambe apesa ye makanisi, nzambe batela ye, nzambe limbisa ye. Nga viola mama nanga Congo ndenga viola bana mike ya ba 3 ans 4 ans ya ba, ou 3 mois et vous trouvez ça normal voilà ndenge ba yakola li sabiso ezali mission to yambaki ndeko tozonge pana ndeko mwazulu akoka kosisa makanisi nae ndeko mwazulu tozonge pa ina yo il nous reste exactement ndeko oya zali ko benga biso pardon to ko pesa li sous malobate bozana na moi hein li memia. On ne donne plus la parole, bandeko bozo benga biso botika ko benga biso toka matande ko mwazulu parce que tika biso 15 minutes toka bolango na ende ko mwazulu tozonge pa ina yo. Na zongi si matondo lisusu na bino baso. Na remercier pe bandeko balubi na tranche ou bango bazo baki. Je pense qu'il y a à saluer, il y a aussi à soulever et à souligner. Il y a eu la corrélation faite entre Dathan sur le plan politique, le discours du président Mobutu et justement l'axe que je venais déposer avec certains camarades. On sent peut-être qu'il y a eu une évolution. On sent qu'il y a maintenant l'émergence d'une force capable aujourd'hui de pouvoir assumer. Il y a notamment son anticaline qui voit que l'on a il y a soulevé par le président Mobutu Dathan, et ça a un peu corrélation à Makambolobi sur la religion, parce qu'on voit aisément, s'il faut voir clair, l'Église catholique, il faut le nommer, qui en arrivant a commencé le premier à détruire ces structures-là, sociétales, intellectuelles et éducatives. Parce qu'il ne faut surtout pas voir dans ces statuettes-là simplement au Bako Tsarabat. Quand on parle de pouvoir, le pouvoir c'est une forme de capacité. La statuette, tu vois, nous avons là, Azali, forme, il y a transmission, il y a histoire, il y a passé, il y a géométrie, parce que sur le temps, la bâtiment, on a la mesure, la ronde, la taille en haut, tout ça, tu vois qu'il y a toutes les sciences réunies. Et ces sciences-là te donnent le pouvoir, la géométrie te donne le pouvoir ou les capacités de pouvoir mesurer l'intérêt, mieux le contrôler. L'histoire te donne le pouvoir de pouvoir, ou la capacité de connaître le passé, le pouvoir de changer l'avenir des gens, parce qu'une personne ignorante devant une personne qui a la connaissance de son passé a le pouvoir de changer sa vie. Ça dit de l'orienter autrement. La preuve, vous avez vu le Kotrope Takaka, beaucoup de gens, leur vie a été, je dirais, désorientée, parce qu'il y avait des gens qui avaient le pouvoir de leur faire croire que dans le passé, il y avait un Seigneur qui avait sacrifié sa vie, disons, à ceux qui croient aux aventures merveilleuses de Jésus-Christ.
Donc on voit aisément la dimension wana il y a ces pouvoirs là mais bah tu vas avoir un plus le pouvoir beaucoup mystique. Or c'est pas ça, parce que le travail que les robots sont en train de faire aujourd'hui na Japon et le travail que les robots feront demain dans notre société avec Makambo n'expliqua qui a venu à COVID-19 n'est pas une gabache pas robotiser société. Vous remarquerez que le statuette comme les mines qui s'y le faisaient, parce que d'ailleurs mines qui s'y ont tourné na comment vous l'appelez na musée de Cape Town na British Museum balongo lié ba miroir balongo ya British balongo la quel miroir. Pourquoi? Parce que batouillon se bandant les calibos sont naïfs. La plupart des bandeaux, parce qu'ils voyaient leurs âmes et ce qu'ils prévoyaient de faire. Pas contre lui, mais contre leur propre société. Parce qu'il était un gardien de cohésion et de paix. Le miroir l'a symbolisé, justement, parce que télévision est un miroir, ordinateur est un miroir, écran, placement, portable est un miroir. Tout ça, toujours dans le sens, c'est un miroir, où ils ont l'action, dans ma cambo, au monde, ou au monde, la place, ils ont. Alors, les technologies, cette technologie-là, c'est justement parce que les scientifiques africains sont déroutés. Parce que s'ils étaient dans la bonne voie, bah, ils vont plonger dans l'eau, qu'on a dit, ça va terme scientifique adéquat pour qualifier cette science très avancée de nos ancêtres. Parce que les Japonais n'ont pas eu besoin de Moussika pour passer à la fusée. Bah, dans le système, il y a quatre traditionnels. Il y a dans le camp de sonda. Quel est le principe pour développer la fusée? À partir de quelle est la force attractif ou ça la question indicative et maté kende et quoi la destination au lundi. Alors c'est une science parce que nous tous ça la attaque bateau là bah il vient bateau va fondre là bah tu vas travailler ou bah il sait calculer la distance et là tu continues à mesurer de longueur. Donc nous sommes dans la science pour éléments là on voit pas ces ailes qui nous tiquent. Donc vous voyez aisément il faut changer la perception des choses, il faut changer la vision et là c'est la structure mentale de l'homme congolais, congolais, de la femme congolaise, de l'homme africain, de l'homme noir, tout comme de la femme noire qui doit changer. Donc, c'est ce qui me permet directement de rentrer dans le préalable et la question tout là qui, dans différents points. Alors, le point le plus essentiel, d'abord sur le plan social. Sur le plan social, tout ça, on a deux temps. Nabisso, c'est notre quotidien. Je parle dans le plan social de notre quotidien. Dans notre quotidien, on a deux temps. On a le jour et la nuit. Qui de l'autre côté on a la lune, de l'autre côté on a le soleil. Soit on a les deux principes, voilà, et l'on réchira au quotidien la biso, jour et la nuit, et ça limite, il y a temps au biso tchak. Or, limite, il y a temps, et permet à biso de régir l'activité la biso. Corrigir l'activité la biso, na jour, et ça la biso, na semaine, et ça la biso, na mois, c'est qui aboutit dans le calendrier. Donc, le premier principe sur le plan social, et organisation de la société qui a été détruite en Afrique, c'est le calendrier. Georges Balandier, dans l'un de ses derniers ouvrages, où il parlait le roi du Congo, les guerriers, ses guerriers ou le mystère du roi du Congo, parlait justement de ces calendriers de 28 jours et 13 mois, ces calendriers qui étaient inspirés de ce qu'on appelle les Kalangunda. Kalangunda qui voulait dire l'étoile de la lune ou autrement les règles de la femme, les cycles menstruels, les menstruations de la femme. Parce que ça, et ça l'équivoque avec la lune, et c'est ça qui régissait notre quotidien, qui inspirait nos calendriers. Or, dans un calendrier, quand ton quotidien, le calendrier régit ton activité, au salanini, au kendewa, puis au zongawadi. Dans un calendrier, le mois régit bah, ton climat. Par exemple, le mois de janvier, de Ebike, et ça l'araboué. Dans un mois, il y a la récolte, il y a la sémence. Alors, nos activités, et ça la régit par rapport à notre environnement, la production, la distribution. L'effet d'avoir détruit les calendriers africains a désorienté, nous a déconnectés de notre environnement. Batebele surtout le Bango, les cycles climatiques, le mois de janvier, le temps est le mois de février, Batebele Baradi. Tu as vu que le mois de février, parfois, ça va 17, par maladie, par famille. Or, le calendrier te permet, oui, bah, déjà que le mois de février, le coup est saboué, le mois de janvier, toi, tu as la récolte, le mois de février, il y a la mois de crise, donc récolte, le mois de janvier, pour la boum, pour la 17, il y a le mois de février, le début, le mois de mars, le mois d'avril, on va pluie et banda, dans l'ONU. C'est-à-dire, le calendrier, il y a un de bandeau, ça, là, qu'à partir de ça, tout ça, il y a la fête, il y a la semaille, la fête, il y a la dédiée aux divinités de la terre, mais ma bloc, oui, en fait, pendant ce va, ma production, élevage, ma bloc, oui. Alors, les changements des calendriers à jour modifient les calendriers de la nuit. Pourquoi? Parce que ce que tu fais les jours a une influence dans le haut qui est là.
et pour influencer ma rêve, n'ayons pas d'ambition aux alentours. Or, quand ils ont changé le calendrier le jour, lundi, le dieu de la lune, c'est leur eux. Mardi, c'est le dieu Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, bah, qu'est la Vénus. Donc, ainsi de suite, Saturne, Nande, Toketina, dimanche. Et si on continue le calendrier, surtout le catholique, on va changer avec le Guana. Chaque jour a le nom d'un saint. Ce sont les prénoms qu'on va appeler Saint-Kibat. Je reviens encore au maréchal Mobutu. Le principe pour Zayaki de détruire les prénoms justement hérités, il y a la plus grande chrétienne tout occidentale. Parce que ça change ta perception des choses. Ça change ton quotidien. Donc, il était normal. Babouka, donc, la première chose dans le lobby sur le plan social, c'est les calendriers. Il faut refaire les calendriers véritables. En lien, la continue à Babylon, il y a, comment je vais dire, il y a fanfaronté. Parce que je dois taper aussi dessus quelques aventuriers parmi nous qui se permettent parfois en salle à Babylon, comme sous par je ne sais quoi. Ces calendriers-là, il faut qu'il y ait une base scientifique, tout bandit par la femme Nerenaka Langunda, tout chez Yango Moulimel Kalangunda, Kalanda, le calendrier. Donc, il y a un principe, voilà, d'organiser notre société, parce qu'on organise notre quotidien, et qu'on organise ma combo d'abisson, et qu'on organise ma pensée d'abisson, qu'on organise notre vision. Parce que ce qu'il y a un mois, et comme il y a janvier, ce sont des dieux païens, et comme il y a février, la masse, le dieu masse, ce sont des février, des dieux païens, ou un baron, bah tiens, ma combo, voilà. C'est-à-dire, bah, j'en régis l'univers, bah, ma tam, ça n'a rien à voir avec ton environnement, ça n'a rien à voir avec les produits qui poussent chez toi. Ça n'a rien à voir avec les énergies qui peuvent te permettre, notamment, de régir ton quotidien. Donc, la société doit être refondée sur ces points. Il y a un deuxième point. Je disais que, par exemple, sur le plan juridique. Sur le plan juridique, sont dans les conceptions de la loi à l'occidental. La plupart de la loi, ce n'est pas les juristes qui ont la classe. Hein. La juriste qui ont la classe pour interpréter et garder les lois ou modifier. Bah, tout bah, comment, bah, base, bah, socle, bah, principe, on les a, bah, grands érudits, bah, législateurs, bah, bimaka, bah, loge maçonnique, bah, loge mêlée, bah, bimaka, bah, on, bah, pour, bah, article, bah, 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 ça, bah, proposition de loi. Et on, bah, proposition de loi telle, ministre telle, la cota qui va plaisir, bah, lobby derrière les justiciables. Or, ces propositions de loi-là sont liées à certaines énergies, et puis, à certaines énergies, je dirais, sur le plan spirituel et économique. Donc, en nous ayant ravi cette possibilité de pouvoir faire les lois conformément aux énergies qui peuvent permettre à nos enfants demain d'être ceci, à nos enfants demain d'éviter ceci, parce que dans les nous, on sent la loi, âge, il y a rapport sexuel, il n'y a pas naïf qui t'a un comatine à niveau à 14 ans, ce qui peut avoir eu 10 ans ou 13 ans. 10 ans, 10 ans, 10 ans, ça est, c'est reconnu même au niveau à Vatican sur 10 ans. Voilà, alors, allez dans la profondeur de ça. Voilà, allez dans la profondeur. Qui a donné cette loi? C'est lié à une culture, c'est lié à des pratiques. Ma législateur, pour ma base à la source ou incriminée devant la société, ma recoute sa loi. Alors, sur le plan juridique, il faut réparer notamment la source. La biseau, il y a ma conception, il y a des cultures, il y a ma loi. La loi est à ma valeur, ma principe, ma acte, on les a inscrits dans la tête de la biseau. Ma cambion, je le banal, on te banal. Oh, il y a depuis la cour de la c'est ça, la gambola de Rousseau, la commis, la cour de la Katia loi. C'est ça qui fait, parce que la loi doit être, si vous voulez, les gardiens écrits de nos âmes, de notre moi véritable. Et non, il y a la bureau comme on va charabia, on va comme. Donc, il y a un point sur le plan juridique, il y a un point notamment, notre maman, les Kaki, a évoqué un point un peu, sur le point de la réparation. Cette réparation pour nous, voilà, cette réparation pour nous doit être d'abord et avant tout, je dirais, morale. La réparation doit être d'abord morale. Morale pourquoi? Les pays européens occidentaux doivent restituer en fait et geste de ce qui s'est passé, dire la vérité de ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Cela permettra à l'Africain de s'éloigner dans le Cambo, Bako, Sela et Asalaté, et puis la réconciliation entre les Africains déportés et les Africains qui sont restés dans le continent. Cette réparation doit être juridique. Juridique pourquoi? Il faut la construction des lois, des hautes portées internationales. De hautes portées internationales, quand il s'agit de lois,
et les instruments juridiques de haute portée internationaux qui nous auraient permis notamment de condamner les crimes passés en Afrique, de déterminer et de désigner les victimes et qu'ils soient punis. Et de deux, d'empêcher, comme ils ont fait avec les nazis, tous les Européens d'avoir un pouvoir économique, politique, religieux en Afrique. Parce que c'est au nom du pouvoir politique, religieux, économique, et c'est par ça qu'ils ont commis ces crimes. Donc il faut les interdire d'avoir ça en Afrique. Alors cela doit être inscrit dans les documents juridiques de haute portée internationaux. Cette réparation doit être aussi... cette réparation doit être aussi économique. C'est-à-dire, il faut déposséder à tous ceux qui ont bénéficié, tout ce qui a permis à l'Europe de gagner par temps de l'esclavage. D'abord, nos ancêtres, il faut calculer les salaires, leur bulletin de paie, il faut dire. Les nations occidentales doivent payer, chaque famille doit réclamer le dû de leurs ancêtres qui ont travaillé par la sueur de leur front. Parfois sans heures de limitation de repos, ou il y a 100 heures de limitation à travail. Il faut calculer cela. Au-delà de ça, il faut déposséder à avoir au moment de finir, c'est-à-dire les terres, mais l'argent qu'ils ont gagné et les restituer aux ayants droit. Cette réparation doit être aussi financière, notamment par exemple la KO de Zonobaya, Sorotaliba, œuvre d'art, voilà toutes ces entités enfermées dans ces musées. Par exemple, au côté de la musée de Kébranlier, Bandar, la 15 euros, 12 euros, les 9 euros, Zarka pour la COVID, les zones à la 12 euros. Musée à Washington, il y a New York, par-ci par-là, Berlin et par-ci par-là. Bambon, Wananyo, Sosoto, calculant pendant la période de Kotaki, cet argent doit être restitué parce que c'est une réparation financière. Parce que Mbon, Wananyo, la propriété intellectuelle est un droit qui doit être défendu. Aux États-Unis d'Amérique, là où il y a Kouri Loza, Moudou a pirataka l'œuvre d'art, tout chanson, tout. Je ne sais pas, danse, tout, vraiment au théâtral, il y a un artiste américain, il est puni. Les Kenyans avaient subi, les Nigériens l'avaient subi. Mm-hmm. Et les Nigériens, à son tour, a permis à ce avec Manu Dibango, avec Manu Dibango, il avait été payé par, comment il s'appelait encore, Michael Jackson, 3, 1 million ou 2 millions, oui, à l'époque. Ouais. Voilà. Et le Nigeria ne permet plus piraterie à l'artiste ou même à un musicien de la zone avancée. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle doit être protégée. Et dans ces œuvres-là, nous devons voir la propriété intellectuelle. Parce que l'imagination qu'il y avait et l'arrivée des religions a estompé l'imagination. Parce que, par exemple, dans l'islam, il est interdit. Il y a un chat à tableau, banini, babylon, dans le christianisme, pareil. Et c'est cela que ça avait étouffé un peu la source de l'inspiration. Parce que dans nos sociétés, il était autrefois, lorsqu'il y a conflit entre l'homme et la femme, visiteur, moi, si on dit, ça va, ça, ni moko, abimi, ça, rarement, ma couvert que la honte des bandons, ça, là, sculpté, au moins, la soeur, tiens, et ça, là, qui s'acquiert, elle, m'a dessiné, moi, sinon, bah, mais séparé, bah, ça, loin. Ma couture, bah, il visiteur, bah, il y a une compression, on a monté, elle a un dégue, moko. Les gens, encore, bah, pour moi, bleu, voilà, il y a moins, ça, là, à queue. Ce qui est problème, c'est que vous n'avez pas de pasteur. Si vous n'avez pas de pasteur, il y a trois pouvoirs qui sont en train de se faire. Si vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de tout. Et puis, il y a des professionnels, il y a des professionnels, il y a des camboyants, vous n'avez pas de spécialistes, il y a des conflits. C'est-à-dire que l'État, c'est qu'il y a des secrets. Parce qu'ils ont détruit votre pouvoir, même au sein des familles, qui vous auraient permis d'en résoudre le camboyant. Et c'est ça qui a enfoncé à Banique au continuer, c'est sûr. Dans nos sociétés, dans nos couples, dans nos familles. Donc, on voit aisément que la restitution à Bablo Kwanas, la réparation à ces plusieurs niveaux, on appelle si, nous permettra justement de reconstruire le Kwanas. Il y a notamment encore le volet commercial. Depuis le président Barthélemy Boganda, depuis Patrice Lumumba, jusqu'à Vincent par Thomas Sankara, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est en train de combattre pour ce qu'on appelle les termes de l'échange inégal, qui consiste en quoi? Les pays africains produisent les matières premières dans des prix insignifiants. Les occidentaux, donc, ils prennent le coton gratuitement. Ils vont là-bas, ils fabriquent des batteries, je ne sais pas moi, du quoi, avec des portables, et ils nous revendent les produits finis, donc, dans un prix, justement, puisqu'on a accédé. Parce que portable est assis, quand il y a les lots sur les vignes, un Congolais ne peut pas avoir accès à ça parce qu'au Congo, il n'y a pas de salaire allant dans ce sens. Faut que nous ayons un dénouement, nous sommes. On nous doit ça. Parce que quand je parle du Congolais,
la salaire on a zana monté parce que on a zali banda a zo joa monté par rapport au Congo, par rapport à travers tout ça dans le pays avant. Donc on voit aisément encore dans cette dimension, il y a de quoi à comprendre, c'est que sur le plan économique, Baboto Labisso et l'Okola, parce que c'est eux qui décident du prix, il y a Babilo Kola sur le marché international. Donc il y a, de par la colonisation, les socles, il y a colonisation, mon question continue, parce que ma traité, Otozana Moulelo, va traiter un accord de partenariat économique. Ces traités-là sont des traités qui sont aujourd'hui défavorables aux pays africains. Ces traités-là, ce sont des traités qui ne permettent pas aux pays africains de pouvoir rétablir l'équilibre dans, les balances, dans la balance du paiement. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'exportation, l'importation, même sur le Cali, ils ont toujours un déficit. Parce que tu importes des bélés, tu exportes pas rien. C'est qu'il y a des conséquences, notamment dans le paiement. Les lots, tout le monde dit même, avec le procès du récidiviste Vital Kamerhe, vous verrez que tellement que Timoïb et l'équipe Oketi n'a défis, n'a réserve, il y a défis étrangères, il y a Mboka. C'est qu'il y a eu un impact dans la cour, il y a de dollars dans le pays. Donc, vous voyez déjà là, le mécanisme sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, regardez l'erreur fondamentale que commettent toutes les nations africaines. Je vous prends l'exemple d'une nation comme l'Iran. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est sorti des universités occidentales et faire de lui ministre des Affaires étrangères. Parce que la diplomatie, c'est l'essence même de la culture d'un peuple. L'ambassade est censée représenter l'âme de votre pays, de votre peuple, là où vous êtes. Mais vous prenez quelqu'un qui sort du ministère des études des relations internationales du terme occidental, mais il a les codes, le principe et la pensée à l'occidental. L'Iran, quand il vient négocier, l'Iran met quelqu'un qui n'a pas été dans les écoles et les universités occidentales comme ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il est imprégné de ce qui est les valeurs et, si vous voulez, l'identité, même les codes diplomatiques. Parce que son talinaba est œuvre d'art ou un autre sur le Véla. Il y a la diplomatie dedans. Donc, on a le talent. Quand moi, je l'ai étudié dans ma facette, dans l'Union, il y a en fait, on vous dit par exemple, une œuvre X ou Y est censée apporter la paix. Qu'est-ce qu'on appelle la paix? C'est-à-dire la pacification des esprits. Toute la communauté venait vers cette entité-là quand il y avait conflit pour pacifier. Donc, il jouait le rôle de la diplomatie. Or, les codes, les rituels, les moyens qu'on exerçait pour se présenter devant lui, ce sont ces moyens-là que tu dois t'imprégner pour aller défendre le Congo à l'extérieur. Il y a université occidentale qui était pour défendre le Congo sur le plan de la négociation diplomatique. Franchement, alors je vais vers le Congo ancien, on voit les vénérables Nsaku Nefunda. Parmi les grandes entités Congo, l'ancêtre Nsaku était celui qu'on appelait les diplomates, Masamba, les pacificateurs, celui qui a planifié les difficultés. Et il était les gardiens de la terre. Donc, celui qui peut être, il ne peut être que diplomate, celui qui est gardien du mystère de la terre du Congo, parce que c'est cette terre-là qui lui donnera les codes à dire qu'est-ce que le Congo veut, qu'est-ce que le Congo ne veut pas, qu'est-ce que la terre du Congo veut en ce moment, qu'est-ce que la terre du Congo ne veut. Vous voyez les diplomates congolais, ministres des Affaires étrangères, qui va signer des contrats qui permettent d'exploiter la terre du Congo là où on ne doit pas exploiter. Lui, il signe. Parce que justement, il y a des connexions avec ces choses-là. Donc, voilà la refondation, même sur le plan diplomatique, à travers porté à Babilo Kouana. Vous avez vu que le maréchal Mobutu, dans l'exemple que le frère a donné, accueillir à niveau des Nations Unies, on va considérer comme lieu par excellence de la diplomatie, pour Kakende, qu'on compte sa résolution. À Kena, résolution à Diablo Kona, justement parce qu'il avait déjà contact, il y avait énergie en avant Kende, il avait compris parce que Wanda Monela Kane n'avait peut-être pas partout. Et ça, l'un des symboles, il y a Babilo Kona. Ah oui, ça peut. Expliciter notamment démarche sur Noazana Kino. Donc, on voit aisément dans beaucoup de points, on peut aller justement, même aussi sur le plan éducatif. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Comment pouvez-vous aider un chercheur congolais d'aller plus loin lorsque vous lui transmettez l'histoire des Bateke sans preuve matérielle de l'histoire des Bateke? Or, les preuves matérielles de l'histoire des Bateke se trouvent dans le musée des Terres humaines. Les preuves matérielles de l'histoire des Chokwe se trouvent dans le musée des Terres humaines. Moi, il a fallu que j'aille très loin pour récupérer un tissu de raffia que j'ai fait monter à Montparnasse où on m'a dit qu'il date de 1800. Il avait quasiment 200 ans, je les garde chez moi. Dans la tango, bien cousu en chemise. On voit aisément que
à partir de la Bible, sur le plan de l'éducation, la preuve matérielle, où est-ce qu'on a appuyé la transmission d'Ozaki dans mon camp, je vous parlais à l'introduction de l'histoire des Fumampangu tout le monde. On me parlait de ça, mais je ne palpais pas le patrimoine qui était mien. Or, patrimoine dans les Alibanda, il compte ici combien dans ma musée occidentale. Voilà, moi, sur ce plan-là même de l'éducation, qui démontre que, même sur le plan éducatif, Bilokwana est ça, très important, parce que tant que vous avez moi, vous êtes en centimètre, moi, je suis en idée à Saint-Lélo-Kwana. Lorsque moi, je suis allé apprendre les mandombe auprès des chers regrettés, Wabela Diopaye, qui d'ailleurs m'a transmis certaines choses, car il me disait certaines choses sur moi, que moi je ne percevais pas, et il m'a transmis tellement de choses dans le mandombe. Mais lorsque j'ai fini le mandombe, moi j'ai sorti dans l'écriture mandombe la gymnastique Kimpavita, dont les symboles, les lettres sont les positions. Donc on a même toute l'église Kimbangi, c'est comme la plupart Batumusus Bazar déroutés, n'avait pas perçu. Mais il y a un, même Wabela de Paille lui-même a dit, ça c'est le bon. Parce que je me posais la question, comment Simon Kimbangu s'était né debout dans un dans quelques périmètres qui est au Bapesaki. Dans le périmètre à Kachon, comment il arrivait à résister? C'est alors, tant que Wabela de Paille parle de Mandombe, il a vu derrière le mur, c'était le côte. Et moi, ça m'a permis de voir derrière le mur de la prison quelle était la position qu'avait Simon Kimbangu. Et en travaillant ça, j'ai pu apprendre ce que j'ai pris, que je n'ai pas besoin d'aller apprendre le yoga autre. Que je ne peux que travailler les gymnastiques Kimpavita, qui est lié à nos cinq organes, aux cinq prisons que Simon Kimbangu avait fait, aux cinq voyelles de la lettre, notamment dans les langues africaines, ainsi de suite. Donc, j'ai appris quelque chose avec ces. À l'obligation de Simon Kimbangu, qui lui a révélé ça, à la question de l'écriture en question, et moi, n'avais fait voilà, la bimisi gymnastique. Merci. Donc, on voit aisément qu'avec un appui matériel, on peut aller trop loin. Donc, sur le plan culturel et éducatif, ça peut être. Et donc, on est plus sur le plan de la, je dirais, culturel, disons, des festivités. Parce que Zangi Babilo, comment est-ce qu'on rassemble Bissot? S'il y a un problème, tout le monde est qu'on rassemble devant Babilo. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. J'aimerais que chaque personne qui nous suit aujourd'hui a qu'à méditer là. Et plus que chacun fasse un effort, mais le qu'on n'en pas. Lorsque l'Église catholique est arrivée en Afrique, Abomaka et Loko Moko. Abimis et Loko Moko, la bandana pour la bisou. Isaki dit Kiko. La preuve, l'Église catholique a remplacé Pega et Kiko. A tchèque quoi Marie, a tchèque quoi Jésus sur la croix. Mais Abimis et Loko Moko Kiko. Et pourquoi? Parce que les statues, Isaki et Loko Moko, et outil esprit, est comme immatériel. Isaki et Loko Osimba. Ce qui est matériel apporte le pouvoir matériel, c'est-à-dire le bonheur matériel. La richesse dans nos foyers a été brisée par l'absence de Mikikoan. Le jour où, ne prenez pas l'acte du président Mobutu comme un acte anodin. Ne prenez pas cet acte qu'on vient de poser comme un acte anodin. Parce que je me suis inscrit aujourd'hui dans une ligne politique qui veut le bonheur du peuple africain de façon intégrale et par le surcroît du bonheur du peuple congolais. Donc, si vous rentrez dans cette dimension, vous aurez à comprendre que le matériel apporte la richesse matérielle. Et nous, Hollande, Babimissa, on a bandé pour Mabisso, Babimissa, la paix, la quiétude, la sérénité, la pacification et le bonheur matériel. C'est pourquoi vous voyez quand vous vous retournez vers les bouddhistes, au moment de la barou, chaque pièce, il y a bandé pour Mabango, Bazarara, la statuette, sur la Bachara. Les facteurs, il y a symbole, il y a bonheur, il y a richesse matérielle. Parce que les arts matériels, matériel appelle ça matériel, et où dit l'esprit, nous avons le coup aussi, il y a été un esprit à matérialiser le bonheur spirituel, il y a eu la connexion, la divinité, la force, voilà, la quantité, voilà, à mon avis, c'est matérialiser la vie. Alors, voilà l'idiotie du crocodile, tout l'idiotie virée, et sans passer fanny. Vous allez maintenant prier un Dieu invisible pour qu'il vous apporte le bonheur et la richesse matérielle. C'est totalement incompréhensible dans cette logique-là. Merci. Et dans le bon sens, avec tout le respect que j'ai pour vos croyances, vos foi et vos religions, mais dans le bon sens, c'est une logique que toute personne normalement constituée doit bannir. Et travailler de manière à ce que, dans laquelle à niveau-là, la preuve, deuxième preuve que j'avance, le bureau au-dessus de la œuvre d'art, la statuette africaine, ont apporté des millions, j'ai dit bien des millions en espèces. Parce que nous sommes autant de Kendall qui ont 9 euros. Et combien d'années va tout pas foutre? J'ai dit bien, les arts matériels, va tout pas la route, la mise sous le monde, ça a apporté la richesse matérielle. Mais là, quoi que l'on vous le dise, nous connaissons en Afrique,
ça sera le début et le commencement du retour de la paix, de la pacification dans nos entités, dans nos communautés, dans nos foyers. Merci. Et le retour du bonheur matin. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Mwazulu. Merci beaucoup, Ndeko Mwazulu. Juste deux minutes. Na maman moko na bosanaki ba maman topé sarbango respect elle a tellement insisté maman Congo elle va faire une parenthèse et tokozonga po na mot de la fin parce que il est 18h on avait prévu qu'osili sasiko yo to prolonger na moins 20 minutes merci na Jimmy Ajanga merci na maman Jenny la japonaise merci na maman Judith Mayuma, merci na maman Judith Ngunga, merci na maman Lydie Tunga, merci na maman Mariam Tungisa, merci na Binonyoso, na YouTube comme na Facebook, je ne saurais pas vous remercier na pertinence, y a pas remarque, pe, ba, je sais, suggestion na Bino, to, kamata maman Congo. Na mwalombangu, pendant que tozo luka maman Congo, tokoyoka réflexion ya ndeko moko awa. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Le mois que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les blancs. Colonisation et Zambé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont des blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont des blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les blancs. L'Église catholique. L'Occident va inventer un laboratoire pour le battre. Maman Congo, tu sais, mais tu es là, 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 Maman Congo, et les autres, peut-être, mais Maman Congo ne nous appelle pas, c'est moi qui t'appelle pour notre en conférence. Réponds ton téléphone, s'il te plaît. Et on s'agenouille, on se croit coupable, on se dit, nous avons bien sûr qu'on couffe pour Nangaï, et Mathieu, la goulou, c'est pour Nangaï. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les Noirs en général. Et qu'est-ce qui est spécial dans la mort de Jésus-Christ? Si on l'a mis sur la croix, qu'est-ce qui est spécial dans sa mort pour qu'aujourd'hui on continue avec ce chantage que Yesu a souffert pour nous? Allez chez nous à l'Est, allez au Congo, on prend des bébés par les Rwandais, parce qu'on tient à Liboka, par tout le monde. On prend les femmes qui sont enceintes, la Côte Simbeli, à partir à Seko, la Toboli, la Passoli, la Moussoussoubassou, Gounabango, vivant. Après tout, toute mort est toujours pénible, que ce soit par noyade, que ce soit par accident d'avion, que ce soit par voiture, toute mort fait toujours peiner ceux qui survivent. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort. Le sac au Maman Congo.
Le sacre, on ne va pas dire non. Maman Congo, on a changé de numéro, on a numéro, on a un numéro, on est obligé maintenant de tomber. Merci. Malobeye, payez moi 5 minutes, tout ça, on a exprès pour nous. Tout ça, on a découpé ça, la conclusion, tout comme vous, on a retard. Matondo, papa dit non. Cette fois-ci, on a vraiment un effort pour nous abonner. Comme ça, ce que Monsieur Zali, nous avons vraiment un effort. Non, on a tombé par hasard, hein, mission à Malam, on est au Mazoulou, vraiment, longo, on a un peu de Mazoulou. Papa dit non, là, maman, quand on se voit, on a un bon mot, on a un peu parce que la côte à place, on a un peu de Mazoulou, qui est papa, on a un peu de Mazoulou. On a un policier, parce que on a un peu de Kadi. Ils ont un certain 24 décembre, ça fait au moins 5 ans, 7 ans. Hein, dans Zubi, là-bas, on a un pressing, on a un peu de Kadi, parce que les temps, on a un peu de pressing, on a la fermé. Ton côté n'a pas de balabi photo tika on a accueil place ne connaît pas Zala qui moisou. Natika on fait accueil, il y a loin la place d'entrée. Ton côté ne connaît pas 9 euros, mais nous à l'époque on avait payé presque 12 euros. C'était 11,99 euros, quelque chose comme ça. Papa n'a pas eu. N'a pas eu le bon monde de Godino. N'a pas eu le bon monde de Godino. N'a pas eu le moisou. La lobby c'est un grand combattant, on a l'attaqué depuis longtemps. Ses frères ont été plusieurs fois. À l'éveil, à l'éveil. Amona passe ne nazawana nazala molimo ya fumu mvuluzi tataki mbangu azamo na bilaka akosala yelo kote ti mishana yako kokisa yango papa na ngai ba statue na biso ya bakoko ba biso ba chef d'œuvre ba œuvre d'art ya bakoko na biso papa dino soko monye ke ko statue il faut tanga makambo ba komitu totu nde konanga ba biloko ni ba statue ne salaka ndele mama na biso yo tukoloba eza ba entité nde konanga. Ils ont le pouvoir de Kinzambi na biso. Ba boto na biso biloko wana ba bimisa ngo la bandaku na biso. Nende ko mazula loba. Ils ont ça ce qui met aux anges qui met sur tous les plans. Et c'est le biloko na biso to récupérer papa quand ça to genda ki kuna to genda ko loba. Ko saka. Ko soko ba masanga mila na ba makazu papa. Ba pouvoir na biso zonga na mona eke ko moko ba koma. Nzambi mpungu to lendo wa mbanza belela entre parenthèses le roi de roi. Kuna kutaka mindele, ba Australia, ba Néo-Zélande, papa, bazana ba karné, baza ko se prosterner devant le statut de nos ancêtres. Bazo koma ba biloko wana o ba statue ne salaka. Bango ba sale yakambo. Ba pesi biso Yesu. O ezali zabolo. Tozo sambela Yesu, tozo kasa to sambela Nzambe. Na ba kombo ba pesa biso na likota nango te se m'intéresse pas. Nzo eza ba kombo ya ba demo. Ezo pesa biso place. Ils ont affaibli le biseau spirituellement, même physiquement. Il y a des Congolais qui ne veulent pas savoir. Mais ils ont fait la biseau de ma fille en déconnant sur Moisou, papa, ce n'est pas facile. Comme ils allaient se moumine, ils ont dit que Moisou, nous sommes là, nous allons là, il faut continuer. Et alors, la biseau, ils allaient aussi capter, papa Dino. Nous avons la fierté de nous avoir la statue à ma cour, nous sommes retenus derrière toi, mon frère. C'est une joie pour nous de récupérer le biseau de la biseau. Ils allaient ma fille vivre la biseau. Ils allaient nous ouvrir la congo, on va y aller. Kenda nango batu ba pesa ka bango ngweza ba sango na ba pasteur donc on va tinda ke pa na biso ba ka boutir biso avec le christianisme hein ba sango so tel ba statue ane ba koma ça nous a été offert et par sa venue de Braza ta tel ba koma ya ba sango papa na ba pasteur ba ya ke pa na biso ba ko aliene biso ba ko fa so na basi ba chose fait biso to koma ko ba déchets les objets sans valeur. Parce que nous, nous sommes les fils aînés du Créateur véritable. Hmm? Nous sommes les ancêtres de l'humanité. Bah, il y a bien. Bah, il y a bien sûr ma maçonnique. Bah, écriture, ou bah, comme on a dit, bah, comme ça. 4000 avant, soi-disant Jésus. Bah, il y a un gré foi. Et ça, bah, écriture, bah, comme on a dit, bah, même une terre. Bah, que non, l'amour, bah, il faut faire ça. Bible, la Bible, c'est le manzan bédé. Et c'est le babacolo. Hein? Mais sur le il y a des pasteurs, des pasteurs, qui tirent à recourir le peuple Congo. Donc vous allez frapper, donc vous allez filmer quelqu'un, dans ma main coquille. Merci. Tout ça, c'est la liberté, la biseau, bon, somme qui me pointe dans la biseau. Mais tout obtenir en par la force, de Gonana. Babi, quelqu'un est aux hommes dans le Congo. Tata qui m'a côté, lui, batteur, belé, le combat de Gomazoulou, le combat de peine de Gofer, tu nous, oui. Le combat de Gomsoussou, voilà dans l'Afrique du Sud. Réflexion à Yoan. Oh, le
Dieu, non. Ce que nous sommes à ce tout ça là. Tout ça ma victime. Et ça y a complot. Nous avons ce zèle. Alors, peut-être qu'on a fait quelque chose. Non. Nos ancêtres ont été christianisés. Et comment il y a un zèle, mon très amer. Comment il y a un côté, comment il y a un mindelendope, en fait. Maman, tu vas te faire un secret, Nabiso. Mais tant que tu as dit que tu es en Congo. Merci. Maman, elle a dit que tu es en Congo. Il y a un chef coutumier. Quand ma mère qui compte à la bouche à la maman, et ça qu'on a partout dans le monde entier. Merci Biri, merci Mama, Mama Congo. T'as nabi ce commun à souka. Au côté de ma vers la fin, ton commun à souka. Vraiment, merci. Merci. Merci Ming. Oh mais kakoka te pa inayo, merci. Tokozonga pa ya ndeko mazulu a pesa biso monde la fin. Merci Ming de la participation na bino. Bozali tellement ebele na YouTube comme na Facebook, nous sommes à peu près 600 personnes sur YouTube quand même ezali ebele na Eurobat bazola la. Merci Ming, vraiment c'est un réel bonheur beau partager vidéo, message na biso que ma et comme ma prise de conscience ya montenir surtout. Ba culture et tradition na biso ezala ki abani. Boko mona ke na ba culture et tradition na biso ndenge tikala na bamboka misusu na tangu mwana mwasi ya komi mwasi ya moni ba cycle na ye menstruel ndenge de ko tiko expliquer yango awe ezeki na kati ya ba calendrier ezo permettre ya ko yeba kibo mama na ye yave ba des cérémonies o ba mandai ko sala pona initiation ya kibo mama na ye na période ya circoncision tangu biso mibali bazali ko kata biso ezalaki na ba cérémonies o ba mandai ko sala pona ko komisa yo mobali po kota na cour de grand na tangu ya ba mariage to yebi yango da culture et tradition na biso bandai ko salama même na tango ya liwa oyo lelo ba banir na Congo et komi soko kufi quel que soit même soko tutana ki na velo kufi okwe in accident okufi kake bomiyo ezali coronavirus tokozonga na yango lobby mercredi pardon lobby za mardi tokozonga mercredi awa. Nous allons parler de ça avec le docteur Bob qui est en Afrique du Sud. Il y a vaccin oyo bazulinga ba robotisé biso et soki ne ko mwazulu akolinga kozonga awa po alobele ki yango très bien avec beaucoup de détails ndenge biso to sala ka yango je crois avec Mama Leti Babin to sala pe émission moko awa j'ai fait toute une documentation ya kotia Bill Gates na ndenge balingi ba robotisé biso alors que balingi ba komisa biso lokola ba robot na biso ya bikeko na biso oyo bande ko sala la biso musala ba kamati yango ba tia yango na ba musée bango ba sala la yango mongo ba bengi yango na kombo kindoki et d'ailleurs ça me rappelle de kwa witi kotanga mikishi ya tanga kwa mikishi mais ezali mikishi ezali epa inabiso ba pende mikishi ezali ba pouvoir oyo e bandaki ko dicté lokola meteo c'est-à-dire quoi soki mboka sécheresse bandi kokota ba mikishi e bandaki ko expliquer ko pesa epa ya ba pouvoir na ba konzi ya mboka ba meka ko yebisa population ki ya une sécheresse ezoya alors ekozwa un mois ekozwa deux mois pendant cette période là batu ba ye ba ko bomba biloko na ba grenier parce que sécheresse koya soki mbula moko ya makazi koya bako ba mikishi mutezai ko transmettre message ya koye ba ko mbula moko ya makasi ko beta batu bakende na bazamba te batu bakende na bibalete parce que mai ko déborder e bandai ko yebisa donc c'était des pouvoirs oyo e bandai ki ko yede peuple ezala ki bonzambi ki nzambi. Ce n'était pas ndenge mundele ayeko benga kindoki et komi kindoki sorcellerie kindoki lingi ko ba pouvoir suprême connaissance suprême. Voilà. Et ndenge to sai komona na naissance mwana boti ba ko sala ba cérémonie tango ya kokata motolu yango balobaka na Congo place ba kunda motolu na yo. C'est-à-dire mabele oyo yo wuta okozonga na mabele et mabele wana ezali Congo. Et pour na ba raison mususu na koyeko yebisa bino parenthèse avant to koma na suka. Lelo to bina ka danse motoashi. Mais tu es bakate que danse motoashi ezali na ba partition ezali ki ba message au bazala ko transmettre. À l'époque au bazala ki mindele bazande ko kende ko enlever bana basi ya kitoko na ba famille na ba village pour na ko mema bango na couvent sous prétexte que ba yeko sale la nzambe na virginité na bango alors ezali ki po bango ba se servir na virginité na bango.
il y avait cette danse soki mindeli baye na katia village ba ko benga ba jeune fille na ba jeune garçon ba ya ko bina mais tango bazo bina bazo transmettre message na mbunda na boka pataka 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 bazo transmettre message que ba jeune fille nyonso oyo boza awa andoria o bazo bina bo banda ko bunga moko moko bo banda ko kima po ba yeko zwa bino. C'est comme ça que ça se passe. Ce que ma maman Balouba Bazawa va expliquer, biso la danse autobina comme mutu achetoning saloketo, le rythmique y a mbonde, c'est qui transmission et un message tant bazoya ko luka ba jeune garçon ba kende ko sala ba travaux forcés pour ba parents ba ki misabana na bango ba ko banda ko beta mbonda na kapakata pakata message zo leka que tous les jeunes garçons qui sont ici bo banda ko bunga moko moko des villages parce que ba yende ko lokota bino comme les femmes aussi. Donc ezala ki ndenge wa. Okomona et pas ikaka na biso maluba na likambo bazai koloba ya quand une femme trompe bazai ko benga yango nini bino batu baka ba kombo na yango Chibau ezala ki représenté na bako bakonzi amboka te bako ya ko vanda basambisa bino bande ko maluba bazaba ko iko témoigner yango ezala ki na statut oyo bachaka liboso ya ndako bazo soupçonner que moi si azali ko tromper mobile nae. Soki otompaka mobile notango kozonga na ndako avant kota na ndako il faut passer otubela devant statue wana. Et statue wana ndeza ki statue ya réconciliation pour na vérité na kati ya couple. Et statue wana na forme nango ezali ba statue bomonaka ba sali statue et puis ba sali sexe moko mulai ya mobile. Donc quand une femme trompe et que à tout bélité, ceux so qui malade des bandits, il faut accoucher dans statue wana pour la purification naï. Il faut faire des recherches. Ndeko mwazu lutozongi epai na yo, mot de la fin na yo na auto soluli lelo, c'est un réel bonheur, t'assure que tokozwa yo lisusu na tango oyo kozala susu disponible. Maloba ezongi epai na yo. Merci en tout cas, Nazo Missi Matondo Lissoussou une fois de plus pour la disponibilité et cette opportunité de permettre encore de échanger à ce niveau. Mais je voudrais réitérer Naloba que nous avons commencé quelque chose de déclenchement et Lokomoko Bando Yebisangata dans notre salamandombe. Quand tu commences avec l'esprit, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mm-hmm. C'est eux seuls, Bayebi Oni Ntobandi. Mais je pense que maman, les gars qui appellent ça qui moins lumière de ce qu'il en est. Nous sommes en train d'avancer progressivement pour mettre les blancs coincés dans le sens immobile à Ikeko, qui ne bougera plus. Il va être coincé. Parce que toujours fongo la porte, toujours kende, nous passerons à Tervuren, nous irons à Londres, nous irons en Allemagne, nous irons en Portugal. L'Europe occidentale va cracher. De continuer avec multiples formes. Et notre objectif est de se voir bouger. On finira par démontrer devant la face du monde qu'à travers ça, là, tous ont mis sa vérité à la crime qui ont été commis. Comment est-ce que la génocide a été opéré? Comment est-ce que les femmes furent éventrées? Comment est-ce que pas la Bazara qui m'a sauvé? Au-delà de ça, comment est-ce qu'ils ont commis des crimes environnementaux? Comment est-ce qu'ils ont pollué l'univers? À travers donc nous sommes en train de démontrer devant les générations actuelles qui viendront la cruauté qu'ils ont voulu cacher pendant des siècles pour leur faire comprendre que la faculté de lumière qui caractérise la terre d'Afrique, il n'y a aucune entité qu'on couvrira. Donc c'est une démarche du quotidien et la responsabilité immense du peuple du Congo. Il faut les aller dans la mémoire de tout un chacun. La responsabilité, je précise, immense du peuple du Congo, il faut les aller dans la mémoire de tout un chacun. Le jour où l'humanité sera jugée, ce peuple-là sera sévèrement jugé. Parce que il leur a été donné le pouvoir de disposer de tout et de permettre à ce que tout le noir et tous les Africains vivent mieux par rapport à un territoire où Bapessana et l'énergie où ils ont. Et il est plus que jamais temps de commencer à travailler dans ce sens. Parce qu'en tout cas, il y a un musée, ça dit. Il y a l'État, parce qu'il y a des musées qui appartiennent aux missions catholiques. Toutes les missions catholiques, il y a un musée, il y a un musée, il y a un musée, c'est la sorcellerie. Donc,
que tout le monde se prépare parce que les actes juridiques qui doivent être posés pour on a déjà le couteau on va savoir parce que escroquerie la définition est à droit et le coup on va savoir là cossure subtilement que ça il n'est pas quand on va jouer à mes mères c'est des escroqueries là je parle en tant que juriste un terme juridique à droit et ça matière d'abord et escroquer donc il faut que l'intelligence collective ait travaillé pour que tout le monde à un niveau ait reposé actes nous irons sur des actes politique, nous irons sur des actes culturels, nous irons sur des actes spirituels, nous irons sur des actes juridiques. Il faut que, pour rendre l'Occident immobile, à quoi bouger sous soudé, il faut le rendre immobile et inopérant à bouger sous soudé, parce que, dans ce cycle et ce cycle. Alors, je remercie énormément ce travail immense que vous êtes en train d'abattre. Merci. Cette disponibilité de pouvoir toujours être là pour informer, éclairer, mobiliser, conscientiser. Et que tout le monde se tienne prêt, parce que nous sommes en train de travailler dans les jours à venir. Il y aura un cri de cœur pour le peuple du Congo, qui partout est en train de subir une humiliation sans précédent. Qui partout, au point Bouana, il y a désolation et les canamabélés naïs. Et nous allons nous lever de partout où nous sommes pour maintenant tout concrétiser. Nous, dans le bac avec cette maman à la Jamaïque, vous ne savez pas de quoi est-ce que le monde tout est capable. La zone Simaton de Mbokaïo, en tout cas, de l'Axatissane. Merci. Merci Mingi Ndeko Mwazulu. C'est à nous, Yako Zongi, c'est là où ma tonde Mingi, que Nzambe Oyo Ndimiraka Kokako Batela Yo, et que Bison Éveil Patriotique Tozali hyper disponible à chaque fois que vous allez na Yako Loba. Oyo Zali Pe Moko, y a bah, amplificateur, y a message na Yo, et au Koki Komo Nandenge Batoba Vandi 10 minutes, tout ça est belé, plus de 2000 personnes, na YouTube, na Facebook, et des milliers de gens, Oyo Bazolanda live, balali pongite, c'est parce que le message est très important. Bepa inabiso tozongi angoli susto baka la prise de conscience de nouvelles responsabilités peut dérégler un comportement. Ba congolais tozo souffrir, to souffrir trop. Et tant bol bakato passer na ba acte yangoyo. Sans permission ande ko mwazulu, ngai nazo bisabino ke éveil patriotique futo bongama bino nyoso bozolanda biso to bongama parce que makamu nyoso etali juridiction mingi to sala ka ngo biso moko il se pourrait que mokolo moko to za na posa avocat en bande ko na biso ba okende ko samba avocat ba pesa ka emisolo bande ko oyo bazali na basala ba droit bazali ba juriste bozali ebele na mikili ya poto bo micha na disposition to s'organiser to bimisata 2-3 avocat oyo ba kozala na sima bande ko parce que ezali li il y a qu'on respecte loi, il y a qu'on kende ko samba, tozo samba na ennemi, il faut tous se préparer. Bato o bako zana volonté a ko contribuer, peto zana moi mi selon, on ne sait jamais ce que ko se nga mbongo, quelque part il faut tout fouta. Oyo bazali na éveil patriotique balingé ko contribuer, tozali déjà na numéro ya PayPal, tozaka na habitude ya ko se nga mi selon te, mais ezali besoin. PayPal na biso ezali kaka kombo na ngai, Gino K. Et Mukasa, ce n'est pas Mukasson, c'est Mukasa de vrai nom, M-U-K-A-S-A, ou numéro et téléphone Kaka Obo Yutilizaka Awa, 240-413-0905. Mama Mukajimouen Pokoyu Kochango, Mama Maris Livio Kogu Kochango, et le numéro Nabiso et PayPal. Bosala moi geste ou eko sala que tous ala na moi ntuku moi ntua moi mbongo moi nzimbo moi mukundulu okawu to kozana na posa na yango pona kufuta ba avocat mais tozali ko kende ko corrompre mondelete kimia eko ka kozana na mabota na bino c'est un réel bonheur ko partager na bino ndeto kuten na bino probablement lobby parce que to décider to sala ka ba flash chaque jour lobby to lobby nan likambo ya vaccin oyo ba memeli biso sous forme ya diplomatie 300 personnes bakeyi na kati ya Congo pour balobake ba yé comme ma solution na COVID-19 na mboka oyo komi okweya obetali bako okufa ezali kaka coronavirus ignorant que bato bazokufa bazana basi bazana bana bazana batamisala bazana ba famille mais mutazokufa balobia kofi na coronavirus famille na emobimba bazabia
Non, tous ali comme ils tournent dans des comouiers, mais peu bas où ils sont basés travailler. Comment n'allez qu'au bandana dans des co Félix, basons des macumba, bas milliers et de milliers. Oh, basons qu'on fait déjà dans la misère, na passe, na souffrance, na viol, na séquestration, na maître. Oh, ils ont ça la machin que je n'ai qu'à dire Congo. Vous leur ajoutez encore malade, mususu, oh yo, bas quoi, qu'on piquer, en gros, bas qu'on injecter, en gros, dans autre ya. Ce n'est pas du tout possible. Biso ba congolais to koki koti ka yango elekate. Nous allons rester ici lobi to ko lobela yango mutunyo sa bimisa ko ezana kati na ye na connaissance no sozana ngo surtout na vaccin ya ba reptilien oyo bazo linga ko ya ko bomba biso ba memele biso 3000 tonnes ya matériel auto yebite oyo ba ko déposer na East ya Congo ezali ko concerner yo na ngai. Kimia eko kakozana na mabota na bino ndeto kutena na bino lobby et mekodi tokozonga awa na parole à la résistance parole libre parole to lobby dernière émission ya toloba ki Congo eko bongate siko totini eloko nini photo sala po Congo e bonga to sil saki yango te toko continue pe toko sil sango mercredi et nous reviendrons avec le docteur Bob et toko sala émission moko uniquement pour le parent parce que période ya confinement ma bala e koti mobulu ya ko sakanate parce que ba tata na ba maman va se découvrir réellement les unes les uns les autres et il faut to sala émission moko pour nako meka kolobela makambo zele kana ba faye na biso na période o ya confinement pour ma bala. Et au bon gamin, et koufa et belé. Merci mine. Belé la kama, kimpa vita et maman. Ya vita kama et maman. Belé la maman, lui la et maman. Ya tana zinga et maman. Belé la maman, fouta et maman. Maman, kenge. Afrique mobile, et je sais la récamo la manassima, la yo Congo, et ça n'est pas pour la vie.